je vais d'abord me présenter. Donc moi, je suis Thomas Lemaire, je suis développeur. J'ai plusieurs casquettes dans l'informatique, architecte, pilotage de projet. Voilà. Ça fait 20 ans, voilà, donc je suis dans le numérique et je suis du Nord, donc à côté de la frontière belge. Donc nous, les terrasses de l'autre côté de la frontière sont ouvertes depuis 10 jours. Voilà, on a cette chance-là. J'en ai pas profité parce que je suis cycliste dans l'âme, c'est juste que j'ai vu les terrasses, mais ben, j'avais pas trop le temps de m'arrêter puisque je roulais. Mais voilà, elles étaient déjà bien bondées. Il y avait beaucoup de Français qui étaient de l'autre côté de la frontière. Voilà, pour la petite parenthèse, à côté, je suis bénévole et j'interviens donc au niveau du collectif greenit.fr qui a été fondé donc en 2004. J'en parlerai juste après. Le but de cette présentation, c'est déjà, vous êtes un peu des cobayes, parce que c'est la première fois que je fais cette présentation. D'habitude, je fais plutôt des présentations génériques sur, on va dire, le Green IT, le numérique responsable, la sobriété numérique, l'éco-conception de services numériques. Là, je vais un peu plus cibler sur tout ce qui est actualité et perspective au niveau des métaux du numérique. Donc, voilà, je ne suis pas un spécialiste des métaux. J'ai fait beaucoup de recherches. J'ai malheureusement pas encore eu le temps de reboucler avec des spécialistes. Enfin, j'ai quelques noms de spécialistes là-dessus. Mais c'est pour donner voilà, une vision plutôt large globale aujourd'hui de la situation sur les métaux, sur le numérique et les dépendances avec d'autres secteurs. Alors, la question qu'on va tout de suite se poser, c'est est-ce qu'il y aura assez de métaux pour le numérique? Je vais spoiler tout de suite la présentation, c'est un peu plus compliqué que ça, que répondre par oui ou par non. Voilà, c'est un sujet assez complexe. Donc, le but, c'est vous donner des billes et puis d'interagir, parce que peut-être que vous avez des idées, des remarques. Surtout, n'hésitez pas. Je vais vous présenter rapidement GreenIT.fr et Conception numérique responsable. Alors, ce sont deux collectifs auxquels j'appartiens. Alors, GreenIT.fr, on intervient au niveau des pouvoirs publics, au niveau des collectivités territoriales, au niveau des étudiants ou aussi, au niveau, on va dire, de conférences un peu plus larges pour sensibiliser, pour partager les connaissances sur les impacts environnementaux du numérique. En ce moment, on a une actualité assez chargée puisqu'il y a une proposition de loi qui a été votée au Sénat sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique qui est arrivée à l'Assemblée nationale. Donc, on a pas mal de rendez-vous, notamment avec les députés et les cabinets ministériels aussi. Et le collectif Conception numérique responsable, là, c'est plutôt un collectif de professionnels du numérique. GreenIT.fr est ouvert à tout le monde. On a des avocats, par exemple. On a tout en termes de personnes, de professionnels, avec chacun sa spécialité. Le collectif Conception numérique responsable, on est plus vraiment là sur des professionnels du numérique. Et donc, le but, c'est de mettre en place des outils. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'EcoIndex, de Green IT Analysis. Voilà, c'est ce collectif-là qui les met en place. Alors, la présentation, elle s'articule entre de l'actualité et des petites questions. Et je vais quand même vous faire participer. Je vais un peu forcer en vous posant des questions. Et notamment, j'ai une première question. D'après vous, quelle est la part d'internautes dans le monde, soit en pourcentage de la population mondiale? Est-ce que vous avez une idée? Alors, il y a du 50%, du 25%, du 65%, du 2 tiers, 40, 75, 35. Ah, c'est très, très varié comme option. Ouais, malheureusement, je n'arrive pas à voir la discussion. C'est dommage. Ouais, donc aujourd'hui, il y a plusieurs études. On est plutôt voilà, aux alentours d'un bon 50%. Donc,
Alors, Social qui c'est Digital Report qui diffuse chaque année. Ça montre qu'on a quand même on va dire une humanité qui, enfin, l'homme avec un grand H est de plus en plus connecté parce qu'on était plutôt, il y a 2 ans, on était vraiment en dessous des 50%. Là, on atteint petit à petit les 60% suivant les différentes sources. Donc, la partie, on va dire, personne, la partie population connectée ne cesse de grandir. En France, on n'est pas loin aujourd'hui, on est aux alentours de 88%. Alors, il faut faire attention parce que là, on parle de personnes qui ont accédé au moins une fois à Internet, qui ont utilisé le réseau physique Internet au moins une fois dans l'année. Après, il y a les personnes qui ont Internet, qui peuvent accéder à Internet et d'utiliser les services web de manière quotidienne. Et là, en France, on est à soit, si on sent bon, on a un petit 80%. Voilà, il y a quand même 20% de la. Non, c'est. Pardon, 88%. Il me semble qu'il y a 12%. Je n'ai pas vérifié les chiffres, mais c'est ça. Ça doit être 12% de la population française aujourd'hui qui n'a pas du tout accès de manière quotidienne aux services web. Au niveau numérique mondial, si on parle donc après au niveau des équipements, on est à peu près à 34 milliards d'équipements. Voilà, ici il y a les chiffres. On voit que finalement la partie serveur, 67 millions, la partie antenne, 10 millions, ne représente finalement pas tant que ça par rapport aux terminaux des utilisateurs. On a de plus en plus d'objets connectés, 19 milliards. Qui sont estimés, c'est difficile à estimer aujourd'hui parce que les objets connectés, c'est quoi? C'est les bracelets notamment, enfin les montres connectées. Moi, pour aller rouler, j'ai un compteur qui est connecté, donc c'est un objet connecté aussi. Toujours est-il que si on prend que la partie téléphone et écran, aujourd'hui, on a 150 fois plus de téléphones et d'écrans que de serveurs. À côté de ça, je ne sais pas si vous connaissez ce schéma, enfin ces trous. C'est intéressant de voir comment le web, les services web ont envahi notre quotidien. Voilà, on a des chiffres assez ahurissants en ce qui se passe en une minute aujourd'hui. Et donc, voilà, on a une population mondiale de plus en plus connectée, on a de plus en plus d'objets, d'équipements, et on a derrière des usages de plus en plus qui bouleversent de plus en plus notre quotidien et on dépend finalement de plus en plus de toute cette infrastructure qui a été mise en place et de tous ces équipements. J'en parlais pendant ma présentation, Granity.fr. Aujourd'hui, on va dire jusqu'à cette année ou jusqu'à l'année dernière, même si Granity.fr existe depuis 2004 et essayait de sensibiliser sur les impacts du numérique, on ne s'intéressait pas trop à ces impacts-là. Et là, il y a le Sénat qui a fait un rapport, qui a un groupe de travail sur l'empreinte environnementale du numérique et qui a tiré la sonnette d'alarme l'année dernière, qui estime aujourd'hui à 2% les émissions de gaz à effet de serre en France. En vrai, on est plutôt à 3,5% selon d'autres études en France. Et qui a remarqué, que finalement, le numérique, c'était autant que l'aviation civil aujourd'hui. D'ailleurs, au niveau mondial, on a quelques chiffres. Je passais rapidement là-dessus, c'est juste des chiffres, si vous vous donnez un ordre d'idée. Voilà, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on a souvent les études entre 3,5 et 4% au niveau mondial. Et ça a plutôt tendance à augmenter.
On estime que d'ici 2025, on risque d'être à presque 6% des émissions de gaz à effet de serre qui sont issues du numérique. Alors, une fois qu'on sait ça, la question qu'on peut se poser, c'est d'où viennent ces impacts? Et là, il y a un tweet assez récent. On a beaucoup parlé d'Elon Musk, hein, du Bitcoin. Je suppose que vous en avez entendu parler, puisqu'il y a quand même une belle chute derrière de la valeur du Bitcoin. Elon Musk s'est gros, s'est inquiété du fait qu'aujourd'hui, le Bitcoin représente une partie non négligeable donc une partie non négligeable des impacts environnementaux et notamment du numérique. Alors, est-ce que vraiment le Bitcoin a un gros impact aujourd'hui sur les impacts environnementaux du numérique? Est-ce que c'est vraiment ça le problème? Voilà, c'est la question. Aujourd'hui, d'après vous, est-ce que le principal point d'attention, il vient vraiment des opérations de minage du Bitcoin? Je vais bien afficher. Il y a pas mal de réponses sur le chat, effectivement, mais je sais pas si c'est le petit onglet conversé. Je sais pas si tu arrives à y accéder, Thomas. C'est Parce que comme effectivement, je tout le monde présente le Bitcoin. répond à l'oral. C'est vrai, ça peut être vite la cacophonie, Ouais, donc les c'est pour gens ça que ont. je demande sur le chat, mais j'aimerais bien y accéder. Et je ne sais pas pourquoi il m'a réduit depuis que je présente, en fait. Et impossible. Impossible d'agrandir. C'est bizarre. Mais après, du coup, bah, Mathieu, tu peux, hein, soit Ouais, tu je fais veux bien que le Mathieu, tu me speaker. donnes. Bien sûr. Que dans les dernières réponses, on a Anthony qui dit que tout dépend de nos objectifs. S'il s'agit de la consommation de CO2, alors c'est relativement peu important. S'il s'agit de la consommation d'énergie, c'est très important également. William qui dit que ça bouffe autant qu'un État des US en énergie. Jérémia dit, il me semble que les transactions sont plus coûteuses en énergie que le minage pur. Tony demande si c'est le coût pour la validation des blocs. Jérémia dit que l'exemple qu'il avait vu cité en Argentine en consommation d'énergie. D'accord. Ouais. Alors moi, je vais présenter une étude qui a été faite par des Chinois. D'accord. Alors, avant tout, moi, je suis pas un expert, bien sûr, je suis pas un spécialiste du Bitcoin. Donc, mon analyse, elle est peut-être un peu biaisée. Toujours est-il que quand je regarde ce qui est issu de cette étude-là, qui a été faite notamment sur la Chine aujourd'hui, c'est à peu près 75% des opérations. En Chine, aujourd'hui, on a 40% qui viennent, enfin, de l'énergie, effectivement, de l'énergie qui est demandée pour produire l'électricité qui va alimenter les serveurs, enfin, toutes ces fermes de serveurs. 40% vient de centrales à charbon. Donc ça pose un problème. Aujourd'hui, c'est un problème. Maintenant, ce n'est pas forcément le principal problème du numérique. Elon Musk il dit qu'il faut passer aux énergies renouvelables pour ces opérations-là. Ça ne va pas forcément résoudre le problème initial qui est la surconsommation d'énergie. Surtout que cette surconsommation ralentit la transition énergétique de la Chine, finalement. Et c'est ce que met en avant plusieurs études aujourd'hui de la part de chercheurs chinois. Maintenant, moi, quand je regarde ces courbes-là, je me dis, mais en fait, par design,
ça va à un moment donné ralentir, ça va continuer à augmenter jusqu'en 2024, c'est ce qui est estimé, ce sera peut-être 2025, et ça va, après, ça va décélérer, ralentir, notamment par le halving. Y a aussi des problèmes de rentabilité, il y a le prix du matériel qui va être plus élevé, il y a une électricité qui va être sûrement un prix d'électricité plus fort. Et à un moment donné, ça va être tellement de plus en plus difficile de miner, on va dire ça. Il restera que les frais de transaction. Est-ce que ça vaudra le coup de continuer à consommer toute cette énergie, d'avoir tous ces serveurs-là qui vont tourner? Faut savoir, enfin, ça c'est un fait, c'est que maintenant, pour un particulier, faire du minage, ça n'est plus rentable, quasiment plus rentable. Donc c'est pour ça qu'on a plutôt des entreprises ou des personnes qui se rassemblent. Et ça va être de plus en plus le cas. Il va falloir, pour que ce soit rentable, ce sera de plus en plus des grosses structures. Donc, à terme, aujourd'hui, oui, c'est un problème. À terme, je pense, enfin, nous pensons qu'au niveau greenity.fr, que ça va se tasser. Donc, est-ce que c'est le principal point d'attention? Bon, la réponse est non. Est-ce que c'est un point d'attention aujourd'hui? Oui. Oui, parce que ça ralentit notamment la transition énergétique en Chine, entre autres. S'il y a des remarques dans le chat, il ne faut pas hésiter à m'interrompre. Mathieu, n'hésite pas. Oui. Alors, j'ai une autre question. D'après vous, quelle est à peu près l'ordre de grandeur en termes d'émissions de gaz à effet de serre pour une télévision? Je ne vais pas trop traîner sur C'est la une bonne réponse. question. Allez, Pour juste l'instant, on n'a les pas de trois. réponse pour l'instant. Ouais, tout le S'il monde n'y a est pas un de peu réponse dans quoi? Tout le monde reste un peu quoi? C'est vrai que c'est difficile de s'imaginer. Alors, eh ben, pour une télévision, c'est facile à retenir, c'est la moitié d'un aller-retour Paris New York. D'accord. Donc, c'est à peu près 500 kilos équivalent en CO2. Aujourd'hui, juste pour comparer par rapport au Bitcoin, où on estime, c'était combien, c'est en 2024, ils estimaient que ça allait être à peu près 130 en Chine, 100, un peu plus de 170 mégatonnes, on va dire, équivalent CO2 d'émissions de gaz à effet de serre pour le monde en 2024. Aujourd'hui, on a 200 millions de PC qui sont fabriqués par an. On va prendre 200 millions, 220 millions de télévisions par an, donc ça fait à peu près 88 mégatonnes par an pour les télévisions aujourd'hui, en fabrication uniquement. Sur les PC, on a 200 millions de PC portables qui sont fabriqués par an à peu près, et ça équivaut à 75 mégatonnes par an. Déjà, on additionne les deux, on est déjà pas mal, on a plus de 160 mégatonnes par an aujourd'hui. On ne parle pas de 2024, on parle d'aujourd'hui. Si on rajoute en plus les moniteurs PC qui sont fabriqués lors du dernier trimestre donc de l'année dernière, on a eu 17 mégatonnes rien que pour les écrans d'ordinateur qui ont été en 3 mois fabriqués, enfin, issus de la fabrication. Donc finalement, on se rend compte que le problème, il est plus matériel. Alors, j'ai mis un numérique qui est matériel. C'était pour finalement un petit peu dire non, c'est vraiment matériel, c'est l'opposé. On est vraiment sur un problème plus matériel plutôt que de consommation d'énergie à l'usage. Et pour confirmer ça, les différentes études, alors là, j'ai pris celle de Greenity à faire. Il y a d'autres études, il y a celle de Malmodin en 2018, il y a celle de Shift Project en 2018 aussi. Toutes sont unanimes. Les impacts, la source d'impact le plus fort, c'est la fabrication des équipements utilisateurs, si on veut regarder tous les impacts environnementaux, et pas uniquement émissions de gaz à effet de serre. Là, en 2019, basé sur les données de 2018, on était plutôt à 44-56 en termes d'émissions de gaz à effet de serre, donc beaucoup plus au niveau de l'utilisation, parce qu'on avait encore
beaucoup de centrales à charbon, notamment, centrales de pétrole. Ça s'équilibre, là, ça s'équilibre, on le voit, et ça va plutôt avoir tendance à complètement basculer sur la fabrication au niveau mondial. En France, on ne parle même pas, il n'y a même pas de débat, 80% c'est fabrication, puisqu'on a un parc nucléaire qui fait qu'aujourd'hui, à l'usage, on émet peu d'émissions de gaz à effet de serre au niveau de la production électrique. Alors, c'est bien, bon, je vais quand même faire une petite partie positive parce que vous allez voir, la présentation n'est pas très enfin, reluisante, mais je vais quand même parler un peu du positif pour dire que ce soit au niveau de Grenity Affaires ou enfin, moi personnellement, ce qu'on veut défendre, c'est quand même le numérique avant tout. Aujourd'hui, on voit bien que le numérique nous apporte beaucoup de bénéfices, notamment ben, avec la crise sanitaire, ça nous a permis de télétravailler, donc de continuer à travailler. Ça a permis aussi la continuité pédagogique, alors avec des petits couacs, hein. J'ai pas dit, mais j'ai deux filles, ça n'a pas toujours été facile. Mon épouse est prof, donc j'ai bien vu que ce n'était pas l'idéal, mais ça a permis de, on va dire, d'éviter une déconnexion de tout l'ensemble des élèves, des écoliers, enfin des collégiens, des lycéens, des étudiants. La communication, voilà, on peut communiquer à l'autre bout de la terre. Donc voilà, c'est un bénéfice, le partage du savoir, la santé, c'est le numérique a apporté énormément, beaucoup plus qu'on pense sur la santé. Ça a vraiment permis d'accélérer les progrès sur ce qui est enfin, aujourd'hui enfin, quelque chose de vital. Donc moi, je peux le dire, la santé, j'ai vécu une expérience, enfin, pas personnelle, mais un proche. On va dire le numérique lui a sauvé la vie. Donc, c'est la télésurveillance, grâce à la télésurveillance qui est du numérique derrière, ça lui a sauvé la vie. Donc, finalement, on se rend compte vraiment que la santé sauve enfin, le numérique sauve des vies en participant à la santé. Donc, il faut, voilà, faut aussi garder en tête que il y a des impacts négatifs au niveau numérique, mais il y a vraiment des impacts positifs derrière. Et on ne peut pas se passer du numérique, ça reste critique aujourd'hui. Je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc là, c'était pour dresser un portrait du numérique au niveau environnemental rapidement. Donc les sources d'impact sont vraiment côté fabrication des terminaux. Les terminaux, on a besoin de métaux, de matériaux. D'après vous, combien on utilisait de matériaux, de métaux, pardon, en 1970 et combien on utilise aujourd'hui? Ah oui. Alors vos réponses. Allez, le premier qui répond. Juste pour comprendre la question, tu demandes la quantité ou le nombre différent de métaux? Le nombre différent, pardon, de métaux qu'il y a. Ah oui, d'accord. Donc, le fer, c'est un métal, le cuivre, c'est un métal. Combien utilisé en Alors, 1970? Alors, 50 un petit pour indice, William. Ouais. on utilisait 9-10, on va dire, au début du XXe siècle. Enfin, D'accord. c'est un petit indice. Tony répond juste trop. William pense 50. 50 aujourd'hui ou dans les années 70? Non, 50 maintenant. 50 maintenant. Allez, je vais vous le donner. Je vais vous donner la réponse. Alors, dans les années 70, on utilisait 20. Et depuis des années 2000, on utilise 60. Aujourd'hui, on a recensé 87 métaux. Il y a 87 métaux qui existent en vrai. On utilise 60 sur les 87.
on a multiplié par 3 en termes de diversification. C'est pour différents usages, mais surtout pour le numérique. Le numérique utilise vraiment une bonne partie de cette diversification. Voilà, enfin, c'est juste pour montrer. Depuis le début de l'humanité, on a commencé, il y a 9700 ans, on a commencé à utiliser du cuivre. Après, on a eu, alors c'est les 7 métaux, les 9 métaux, à chaque fois je me perds. Il y a eu donc les 9 métaux, 7 métaux principaux. Et donc jusque début du XXe siècle. Et après, dans les années 70, on a commencé à utiliser plus de métaux. Et là, ça a explosé vraiment. Il y a la table de Mendeleïev aujourd'hui qui, donc, je fais appel à vos souvenirs. Voilà, film chimiste. Je ne sais même pas si c'était en quel cas ça. Mais voilà, on utilise aujourd'hui, c'est la table de Mendeleïev, c'est 87 métaux. On utilise 60 sur les 87. On exploite vraiment de manière quotidienne 60 métaux. À côté de ça, on a des métaux qui deviennent essentiels aujourd'hui. Notamment le gallium, c'est un métal qu'on n'utilisait pas trop finalement dans le numérique. Et là, depuis l'arrivée notamment de la 5G, on va commencer à plus l'utiliser parce qu'il est plus performant, il est résistant, il résiste aux hautes fréquences. Donc, on va utiliser de l'arsénure de gallium, du nitrure de gallium pour tout ce qui est équipement 5G. Et en fait, dans le numérique, on a besoin de plein de métaux et ces métaux sont essentiels. Alors là, j'ai mis une liste des principaux. Parmi les principaux, une sous-liste des principaux parce qu'en fait, on utilise tellement de métaux dans le numérique que je ne pouvais pas tout mettre. J'ai vraiment mis ceux qui me paraissaient pertinents. Donc, on voit... Alors, sûrement, il y a des noms qui vous paraissent totalement inconnus. Donc, le dysprosium. Alors, dysprosium, c'est hyper important pour éviter la démagnétisation. Les aimants permanents, aujourd'hui, sont faits surtout de terres rares. On a entendu parler, on en parle tant longtemps, des terres rares. C'est pas parce que c'est rare, hein, les terres rares, c'est parce que c'est très éparpillé sur la croûte terrestre qu'on dit que c'est rare. Mais aujourd'hui, sans terres rares, on aurait des aimants dans nos smartphones, dans nos ordinateurs portables, qui seraient 10 fois plus gros pour la même puissance. Donc, ils sont indispensables aujourd'hui, les terres rares, pour la miniaturisation. Donc, on a le dysprosium. Alors, le tantale, c'est pas une terre rare, mais ça permet d'avoir des condensateurs très miniaturisés. Et pareil, c'est très performant, résistant à la température. L'indium, essentiel pour les écrans tactiles. Vous n'avez pas d'indium, vous n'avez pas d'écran tactile. Vous n'avez pas d'indium, vous n'avez pas d'écran LED et d'écran LCD. Bon, la fibre optique, on peut faire sans. Mais voilà. Donc, sans indium, aujourd'hui, c'est le seul... on va dire l'oxyde d'indium éteint, donc de l'étain, de l'indium, sous forme oxydée, c'est ce qui compose les écrans tactiles. C'est le seul, on va dire, matériau qui peut être conducteur et transparent. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est un métal qui est critique pour le numérique, d'aujourd'hui, hein. L'or, bon, c'est important. Alors, il y en a un tout petit peu dans les smartphones, pareil pour la poussière. Le néodyme, sans le néodyme, on a moins de puissance, clairement. Le cobalt, bon, c'est pour les batteries. L'antimoine, on risque d'arriver. Il y en a qui ont essayé de mettre un peu moins d'antimoine dans leurs appareils numériques, ils ont pris feu. Le silicium, c'est tout ce qui est semi-conducteur, et le cuivre, c'est du classique, hein. Le cuivre, c'est tout ce qui est réseau électrique, tout ce qui est conductivité. Du cuivre, il y en a partout dès qu'on parle d'électricité et d'électronique. Donc voilà, c'est des métaux qui aujourd'hui sont essentiels.
Et pourtant, alors, je parlais de cet épisode-là. Je ne sais pas si vous avez suivi, depuis le début de l'année, on a plusieurs. Alors, on n'en parle pas trop dans les actualités nationales, mais dans les actualités autour du numérique, on en parle beaucoup. C'est tout ce qui est pénurie de semi-conducteurs, de wafers, donc tout ce qui permet de faire des circuits intégrés, des processeurs. On a une pénurie mondiale. Jusque-là, Apple et Hewlett-Packard, notamment, c'était bien arrangé parce qu'ils ont fait pression sur leurs fournisseurs. Ils ont dit, nous, on est prêt à mettre l'argent sur la table, payer plus cher et vous nous priorisez. Ils ont réussi jusque-là. Et jusque, on va dire fin avril, mi-avril, ils étaient arrivés à avoir un accès privilégié à ces semi-conducteurs. Il faut savoir, c'est que cette crise, elle a eu un effet, c'est que Volkswagen a annoncé dès début d'année qu'ils allaient réduire de 100 000 unités leurs ambitions en termes de voitures électriques sur 2021. Et donc, Apple et Hewlett-Packard ont réussi à récupérer ces semi-conducteurs. Et là, finalement, non, ils ne peuvent pas parce que c'est tellement, tellement la misère. En termes de... Je vais revenir plusieurs fois sur cet épisode semi-conducteur, mais voilà, c'est tellement critique que même Apple a été affecté. Et qu'est-ce que ça met en avant, cet épisode-là? C'est qu'on a en fait une compétition vraiment intersectorielle entre plusieurs secteurs sur ces métaux. Donc on a les puces électroniques, les voitures électriques, les produits électroménagers, toute la gestion du réseau électrique aussi, il faut des circuits intégrés. L'indium, les panneaux photovoltaïques, et aussi les réacteurs nucléaires, parce que c'est un excellent absorbant neutronique. Donc c'est utilisé dans les centrales nucléaires, l'indium. Il y a beaucoup de métaux qui sont utilisés dans les centrales nucléaires, de toute façon. Cuivre, c'est assez facile, mais c'est aussi, il n'y a pas que l'aspect réseau électrique, mais c'est aussi utilisé pour tout ce qui est câblage et bâtiments, transport, pareil, électroménager. Alors, l'étain, il n'y a plus d'étain, il n'y a plus de boîte de conserve. C'est un truc aussi qu'il faut retenir. Et retenez-le parce que l'étain, vous verrez, moi, ça me pose beaucoup de questions aujourd'hui. J'ai beaucoup de questions au sujet de l'étain. Est-ce qu'on en aura assez, en fait, dans les années à venir? Le tantale, pour tout ce qui est santé, prothèses, essentiel pour les alliages pour l'aérospatiale et l'aéronautique, le gallium pour l'imagerie médicale. C'est pour ça qu'il était très peu utilisé avant l'arrivée de la 5G. On commence à beaucoup l'utiliser maintenant pour la 5G. Attention à ce qu'on n'utilise pas trop vis-à-vis de l'imagerie médicale. Lithium cobalt, bien sûr, pour les batteries. Batterie mobilité électrique, l'argent, bon. Alors l'argent, il y a aussi autre chose au niveau de l'argent, c'est que ça multiplie l'efficacité des antibiotiques. Donc l'argent, en plus d'être pour tout ce qui est photovoltaïque, tout ce qui est joaillerie, on l'utilise aussi dans les smartphones parce que c'est un bon conducteur thermique électrique. Il permet des petits contacts légers, donc des passages rapides entre deux composants. Passage électrique, mais voilà, on met de l'argent, notamment dans plusieurs médicaments. Et le néodyme, moi j'ai l'impression, à chaque fois que je lis le néodyme, des articles sur le néodyme, j'ai l'impression que c'est vraiment le métal magique, parce que, il apporte beaucoup de puissance dans les moteurs électriques, dans les éoliennes, notamment, les éoliennes offshore surtout. Et derrière, il sert aussi pour le raffinage dans la pétrochimie. Enfin, dans tout ce qui est industrie du pétrole, il est quand même très utilisé. Il y a les pierres imbriquées, il y a les lasers, et il y a plein d'autres utilisations que je n'ai pas mis là qui sont beaucoup plus secondaires et marginales. Mais voilà, le néodyme, c'est un métal, moi, qui me fascine. Alors. Déjà, voilà, on a l'aspect compétition entre plusieurs secteurs. On a donc des métaux qui sont essentiels. Et en plus, derrière, on a une croissance du numérique qui est quand même assez forte. Juste deux courbes. Alors, il y en a une qui va jusque 2018 sur les smartphones.
Et une, c'est pour les objets. Alors, c'est toujours pareil, les objets connectés, c'est toujours compliqué de chiffrer. Toujours est-il que sur les smartphones, on a eu plutôt une tendance à une stagnation, c'est en 2018, alors on va dire 2017, 2018, 2019. 2020, c'est un petit peu reparti, et là, avec la 5G, ça repart. Les prévisions sont que ça va exploser. Pourquoi? Parce que le marché est mature et donc les fabricants ont tout intérêt à pousser à un renouvellement, à un achat des téléphones. On avait une stagnation parce que les personnes n'avaient plus trop d'intérêt à renouveler leur smartphone aujourd'hui parce que finalement ça marchait bien. Pourquoi le renouveler? Il n'y avait plus rien qui apportait. Peut-être avoir quelques pixels en plus pour l'appareil photo. La taille des écrans, on est arrivé à une taille qui satisfaisait tout le monde, ni trop grand, ni trop petit, enfin voilà. Et là, il faut fallait trouver d'autres choses pour relancer le marché. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une insistance assez forte aujourd'hui au niveau des médias au niveau des publicitaires, enfin, il y a des annonces publicitaires, au niveau des opérateurs téléphoniques pour relancer le marché du smartphone. La question qui va se poser derrière, c'est entre un smartphone 5G et un smartphone 4G notamment, c'est quoi les impacts en plus? Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir des données, c'est difficile de savoir s'il y a plus de métaux qui sont utilisés dans un smartphone 5G que dans un smartphone 4G. Toujours est-il que la batterie, elle a besoin d'être un peu plus volumineuse. Donc, soit elle est plus sophistiquée, elle a besoin de plus de capacité, pardon. Donc, soit elle est plus sophistiquée pour être un peu plus miniaturisée, soit elle est plus grosse. À ce moment-là, on a dû réduire notre composant. Et donc, utiliser des métaux beaucoup plus sophistiqués. Et donc, on a eu des processus de fabrication beaucoup plus, et je vais revenir aussi plus tard là-dessus, mais beaucoup plus consommateurs d'énergie et consommateurs d'eau. Aujourd'hui, on ne sait pas, on a un problème d'accès, de transparence des données. On a iPhone, donc on a Apple et Huawei qui ont diffusé sur la partie plus, on va dire, gaz à effet de serre. Les impacts de leur téléphone 5G, donc on peut comparer avec ceux de leur téléphone 4G, on voit que ça n'a quasiment pas bougé. Pourtant, au niveau Apple, au niveau de l'iPhone 12, ils ont utilisé beaucoup, beaucoup plus de matériaux recyclés au niveau de la partie plastique, notamment. Même de la partie terres rares. Alors, c'est pas ce cas-là, faut pas croire que les terres rares, on va pouvoir les recycler. Pareil, je vais revenir, mais ce que fait Apple, c'est ils peuvent se le permettre parce que le prix de leur téléphone est tellement haut qu'ils peuvent se permettre d'avoir des processus beaucoup plus coûteux pour récupérer des terres rares et de les recycler. Le souci de ça, c'est que ça peut pas être appliqué à tous les smartphones parce qu'on aurait tous les smartphones seraient pris des iPhones aujourd'hui si on faisait ça. Voilà, donc on a beaucoup de composants recyclés, donc on sait que le recyclage aujourd'hui a des impacts un peu moins forts que l'extraction première. Maintenant, voilà, on sait pas entre 4G et 5G. Et on a Google lui donne des informations entre son Pixel 4a en 4G, son Pixel 4a en 5G. Et là, on voit qu'il y a une différence de 17 kilos équivalent CO2 entre les deux. Sachant qu'un smartphone, c'est entre 40 et 70 kilos équivalent CO2. Voilà. Aujourd'hui, on ne sait pas trop. Toujours est-il qu'on a une augmentation croissante du nombre d'équipements. Et à côté, donc, on a côté numérique, on a une augmentation croissante en termes de terminaux, de fabrication de terminaux, fabrication d'équipements, de serveurs aussi, même si l'impact est un peu plus faible par comparé aux terminaux.
Et on a aussi les autres secteurs, la transition énergétique, la mobilité électrique, l'aérospatiale. Il y a Starlink qui envoyait ses satellites. Mais l'Europe, elle veut faire pareil. Donc la Chine veut faire pareil. Ça va demander aussi des métaux. Et là, c'est des courbes, c'est des faits, ce que je vous présente là, en termes de production. C'est ce que, bon, ça a été consolidé par l'ESGS. Alors, l'ESGS, c'est l'organisme au niveau des États-Unis qui s'occupe de tout ce qui est géologie. Et donc, il recense toute la production mondiale des différents métaux. Et on voit bien qu'on a une augmentation qui est constante. Alors, on a des petites crottes de temps en temps, notamment avec les crises économiques, mais sur le total notamment. Mais entre 1995 et 2020, on a une augmentation constante pour tous les métaux, sans exception. Alors, on pourrait se dire, on n'a qu'à recycler. Alors, j'ai donné déjà quelques éléments de réponse avec les terres rares. Le problème de ça, c'est que si on prend les chiffres de Global Waste, qui tous les ans publie des rapports sur tout ce qui est déchets du numérique, alors c'est déchets des 3E. Donc dedans, on compte aussi l'électroménager. Attention, il n'y a pas que des appareils, il n'y a pas que des smartphones, des télévisions, aussi de l'électroménager. Et c'est le poids. Donc 53 millions de déchets. On a seulement 17% de collectés et recyclés, sachant que dans ces 17%, il y a beaucoup d'électroménagers. Donc, aujourd'hui, on voit déjà, on a un premier problème, c'est qu'on n'arrive pas à collecter, recycler au niveau mondial, et même en France. En France, on est les champions du monde, entre guillemets, du recyclage, de tout ce qui est des 3E. On est à 47%, 45%. Alors, dernier chiffre, je ne sais plus, je ne vais pas te regarder vérifier, mais c'est entre 47 et 45, 47%. Et on est les champions du monde. C'est un peu inquiétant qu'on soit champion avec un score aussi peu valorisant. Et même si on arrive à collecter, on a un autre souci, c'est que tout ce qui est terre rare, notamment ce que mettait donc le neodyme, le dysprosium, ce sont des terres rares. On n'arrive pas on a recyclé à peine 1%. L'indium, l'indium, comme il est associé à l'étain pour faire de l'oxyde dans les écrans tactiles, c'est un alliage. On n'arrive pas à récupérer l'indium à part. Donc on le recycle à peine à moins d'1%. Le gallium, pareil, aujourd'hui, c'est moins d'1%. Le tantale, on n'arrive pas non plus. Parce que le tantale est très utilisé pour miniaturiser. Mais il est souvent lié avec un autre métal. On ne peut pas le récupérer en tant que tel. Et en plus, on a tous ces déchets qui vont. Alors, c'est un peu l'image de droite. Désolé, elle n'est pas très positive, mais c'est ce qui se passe. On a des mines de déchets au Ghana et en Inde. Alors, il y a l'Europe qui lutte contre ça, je vous rassure. Malheureusement, on a toujours des filières un peu scrupuleuses qui. Font croire qu'ils vont ramener, donc, notamment en Afrique, des équipements de seconde main et qui, au final, les mettent dans des décharges. Et là, on a des personnes, parfois des enfants, souvent des enfants, qui vont aller au niveau de ces mines et récupérer des composants, des métaux, pour derrière se faire un petit peu d'argent. Et le problème, c'est que c'est des décharges à ciel ouvert. Il y a de la pluie, il y a plein de composants toxiques dans ces métaux, mais vous imaginez bien derrière les impacts sanitaires que ça peut avoir. Mais bon, même si on arrivait à recycler tout ça, en fait, ça ne comblerait pas la demande. Si je fais référence par rapport à aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai dit juste avant sur la production qui est croissante, en fait, on n'arriverait pas à combler même en recyclant tout. Et notamment parce que même si on prend toute la somme des appareils aujourd'hui électroniques et qu'on recycle tout, le potentiel de, même si on arrive à recycler à 100%, le potentiel de tous les appareils aujourd'hui n'est pas suffisant pour combler la demande.
Et donc, on sera toujours forcément obligé d'augmenter, de combler cette demande par rapport à la production primaire de métaux. Donc, le recyclage, ça ne fera que retarder de quelques, allez, au mieux dizaines d'années, les problématiques, on va dire, plutôt d'approvisionnement. Je vais venir juste après. Mais il faut quand même recycler, tenter de recycler, parce que d'un point de vue impact environnemental, à court terme, dès qu'on peut, il faut voilà, continuer à recycler, parce que ça reste moins impactant que d'aller chercher des matériaux dans les mines. Alors, avant d'aborder ce côté-là, juste une petite aparté sur est-ce qu'on peut substituer des métaux. Alors déjà, aujourd'hui, on utilise 60 métaux sur les 87. On a une production croissante. Déjà, on dit, ça ne laisse pas beaucoup de marge. Il y a une diversité. Maintenant, voilà, il y a d'autres matériaux, peut-être comme le graphène. Alors, pareil, le graphène, on entend parler, alors 2004, il a été découvert en 2004. En 2010, on a amélioré les procédés pour le fabriquer. Et ensuite, ça traîne. Alors, en 2018, il y a eu cet article-là qui m'a fait sourire quand je l'ai revu là, ces derniers jours. Le graphène a achevé du miracle. Alors, aujourd'hui, le graphène, il pourrait être utilisé effectivement pour tout ce qui est batterie. Il pourrait remplacer l'indium. Cool. Donc, les écrans tactiles pourraient être faits à partir de graphène. Le problème, c'est qu'on a encore du mal à le produire en grande quantité, de manière pure. On peut le produire de manière impure. Il peut être utilisé notamment pour ses propriétés antibactériennes dans le textile. De manière pure, on aura du mal à l'utiliser. Et en plus, dans les batteries, il ne remplace pas le lithium. Ça, c'est souvent... On peut entendre des choses là-dessus. Le graphène, sous le sous-miracle, ça va remplacer. On n'aura plus de problème de lithium, on n'aura plus de problème pour les batteries de concevoir. Ça va être beaucoup plus propre. Oui, on va pouvoir remplacer le cobalt dans les batteries. Par contre, le lithium, non. Le lithium, il restera là. Et puis, il y a autre chose. C'est que pour construire aujourd'hui le graphène, on arrive à le fabriquer à partir surtout de graphite. Alors, il y a d'autres méthodes, mais qui sont beaucoup plus lourdes et ne marchent pas aujourd'hui à grande échelle. Celle qui marche le mieux, c'est celle avec qui on a le meilleur résultat, même si ce n'est pas encore parfait, c'est avec du graphite. Le graphite, les mines de graphite, c'est une catastrophe sanitaire. Les hommes qui vont dans les mines de graphite, ils ont d'énormes problèmes au niveau des poumons, ça attaque les poumons. Enfin, voilà. Donc aujourd'hui, oui, il y a le graphite qui peut aider à faire du graphène, mais attention, voilà, le graphite a quand même, c'est pas un métal neutre au niveau de l'extraction, au niveau sanitaire. Après, voilà, le néodyme aujourd'hui et sa puissance. Fait qu'on ne peut pas le remplacer avec du ferrite, ce serait beaucoup plus simple, mais non, on perdra en puissance, on perdra en miniaturisation. Et le praseodyme, qui est aussi une terre rare, on pourrait remplacer le néodyme, et finalement, le praseodyme a les mêmes inconvénients que le néodyme. C'est une terre rare et on a un faible taux de recyclage avec le praseodyme. Par contre, on pourrait enlever le tantale. Le tantal, on a du mal à le recycler, mais on pourrait l'enlever, le remplacer par l'aluminium. Ouais, mais à ce moment-là, vos smartphones qui sont. Vous pouvez doubler leur taille. Voilà, c'est pas des substitutions pour trouver, mais ça reste pas miraculeux. Et enfin, le silicium, il pourrait être remplacé par le gallium pour tout ce qui est puce, tout ce qui est semi-conducteur. Mais pareil, le silicium et le gallium ne sont pas en concurrence. Enfin, ils se partagent un petit peu le marché des semi-conducteurs, si on peut dire ça. Aujourd'hui, le silicium, de toute façon, sera toujours utilisé dans les objets connectés et le gallium sera utilisé pour des usages qui demandent beaucoup plus de performance, beaucoup plus de résistance.
Donc c'est juste, on diversifie juste, on prend un autre métal. Et en plus, le gallium reste peu recyclable. Donc aujourd'hui, c'est compliqué. En plus, on a encore un autre problème, c'est que on pourrait ouvrir des mines, notamment pour le graphite. Attention, aujourd'hui, il faut 10 à 20 ans pour ouvrir une mine. Donc même si on voulait faire exploser, ne serait-ce que pour le gallium, aujourd'hui, on commence à l'utiliser de manière un peu plus forte. Et le graphite, on commence pareil, à l'utiliser de manière un peu plus forte. Ben, il faudrait ouvrir des mines. Et pour ouvrir des mines, ben, il faut 10 à 20 ans. Donc en plus, c'est même, ça ajoute encore moins de miracles à ces solutions-là. Je vais faire un peu de théorie. Alors, je vais parler de réserves. Aujourd'hui, les réserves, enfin, c'est même pas aujourd'hui, c'est les réserves, telles que c'est défini. Les réserves, c'est tout ce qui est rentable économiquement et qui est récupérable. Donc, on a des gisements de métaux. Voilà, on sait que tout ce qui est dans la réserve, ben, on sait qu'on va gagner de l'argent en allant dedans. Les ressources, à l'inverse, c'est, on peut aller récupérer, mais par contre, ce n'est pas du tout rentable économiquement. On sait qu'on va devoir notamment utiliser beaucoup d'énergie voilà, pour pouvoir aller récupérer ces métaux-là. Il y a tous les gisements qui ont encore été découverts, et après, il y a tout ce qui n'est pas récupérable parce que techniquement, on n'arrive pas à le faire. C'est impossible aujourd'hui. Voilà, c'est quatre définitions. Aujourd'hui, voilà, quand on parle de... C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et je vais justement parler de ce stade-là. On voit bien, à droite, on parle des réserves rentables en termes d'années d'exploitation. Alors, c'est un graphe qui date de 2017. Il peut faire peur sur le coup, parce qu'on voit l'antimoine, l'État, on va dire en 2017, ça fait 12 ans, donc ça fait qu'en d'ici 2029, on n'aura plus d'antimoine. Non, attention, on n'aura plus de réserve rentable d'antimoine. Par contre, peut-être que d'ici là, on pourra ouvrir d'autres mines, on fera des progrès techniques. Pareil pour l'État, on dit, bah, attention, peut-être que d'ici 2034, on n'aura plus. Voilà, il faut prendre avec des pincettes, surtout que ce graphe n'a jamais été challengé. Maintenant, pour l'antimoine, j'ai quand même une mauvaise nouvelle, c'est que les chiffres de 2019 confirment cette projection-là. Donc, il y a des chiffres en 2017, il y a d'autres chiffres en 2019. Et par rapport à la production de 2019 et par rapport aux réserves identifiées de 2019, 2 ans après, on sait que on sera toujours sur du 2029 où on n'aura plus de réserves rentables d'antimoine et on n'aura plus de réserves tout court. Donc ça, voilà. Mais par contre, attention, voilà, faut prendre avec des pincettes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le schéma, donc la table de Mendeleïev de gauche. Là, on a tous les 2 ans, tous les ans, on a un forum qui s'intéresse à tout ce qui est métaux. Et ce qu'on constate, c'est que on a notamment l'étain, on a le néodyme, on a le dysprosium, on a le tantale, on a le tungstène, le cobalt, qui sont à des degrés de risque très élevés en termes d'approvisionnement. Ils regardent en termes d'approvisionnement. Donc, ils vont regarder plusieurs facteurs. Est-ce qu'il y a assez de réserves? Est-ce qu'il y a assez de... Les mines, elles tournent bien? Est-ce que la demande, l'offre suit la demande? Voilà, tout ça est mis, et puis là, ils se rendent compte qu'il y a des craintes. Sur le cuivre, ils étaient un peu inquiets en 2018, et finalement, ils sont un peu plus sereins en 2019, mais on voit que ça bouge parce qu'on est en 2021, et depuis toute l'année 2020, on a eu plein d'articles sur « attention le cuivre, attention le cuivre ».
Donc, et derrière, il y a une étude intéressante d'Olivier Vidal du CNRS, Ecoinfo, qui disait que, donc ça date de 2018, son étude, mais il disait un truc comme des chiffres qui m'ont un peu, enfin, qui m'ont vraiment bouleversé, surpris. Donc, comme je disais tout à l'heure, les premiers objets en cuivre datent de 9700 ans. Aujourd'hui, si on continue d'augmenter d'un petit 3%, comme c'est le cas actuellement, par an, la production de cuivre, la production primaire de cuivre, c'est ce qu'on va chercher dans les mines, ben, il faudrait extraire, on extrairait en fait, d'ici 800 ans, tout le cuivre qui est contenu dans les 30 premiers kilomètres de la croûte terrestre. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, mais 30 km, des mines de 30 km, aujourd'hui, il n'y en a pas. La mine la plus profonde, elle fait 3,9 km. C'est une mine d'or. C'est la mine de Tahoatona. Alors, je ne sais pas si je dis bien, ou Totona. C'est T-A-U, Tona, comme ça se prononce. C'est en Afrique du Sud. Donc, il faut dire attention, le cuivre, ça peut changer très vite. À côté de ça, on a des métaux qui sont secondaires. Faut savoir, c'est que, alors je sais, ouais, on a des métaux qui, notamment l'indium, c'est un métal secondaire. On ne le trouve pas dans les mines de manière primaire, en forte quantité. Il est tout le temps associé à notre métal, et c'est le zinc. Si demain on ferme toutes les mines de zinc, on n'a plus d'indium. Si demain on n'a plus besoin de zinc, ben, il va falloir se poser la question, est-ce qu'on continue à extraire du zinc pour avoir de l'indium? Est-ce que ça va être rentable de faire ça? Parce que finalement, si on a plus besoin de zinc, ben, on va extraire du zinc, on va récupérer l'indium, et ben, le zinc, on va en faire quoi? Donc, y a ça aussi qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a beaucoup de métaux, finalement, qui sont secondaires et qui sont dépendants d'autres métaux pour l'extraction. Et enfin, pour terminer avec cette partie-là, on a plutôt aussi tendance à avoir une utilisation dispersive sur certains métaux. Le cuivre, je ne sais pas si vous connaissez la bouillie bordelaise, c'est du cuivre et c'est du cuivre qu'on perd. Voilà, on ne va pas le récupérer, ce cuivre-là. On a des alliages, on a de la peinture, on a tout ce qui est antibactérien, on utilise des métaux pour tout ce qui est antibactérien. Tout ça, c'est des utilisations de métaux. On utilise des métaux donc, dans la peinture, ben, qu'on ne va pas récupérer. Ces métaux-là, on ne va pas les récupérer. C'est impossible. Parce qu'on a une utilisation dispersive. Et après, il y a la non-collecte des équipements. J'en ai parlé juste avant. Alors, une petite question. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de réactions. Donc... Si, en fait, alors William réagissait depuis un certain temps sur le fait que, également au niveau de l'extraction, on est également esclave de notre capacité en pétrole, parce que, évidemment, pour avoir l'énergie nécessaire à l'extraction, on a surtout besoin de pétrole. Ouais, et... je vais justement y venir. Je vais en parler. C'est une excellente remarque. Et Tony faisait également une remarque concernant le cuivre, que en ce moment, on est au plus haut concernant le prix du cuivre en ce moment. Et il citait le cours de Boursorama. Ouais, le cuivre, le prix augmente. Alors, j'ai regardé un peu les cours de prix. On a une tendance à l'augmentation, on a des baisses de temps en temps parce que ben, se baser sur le prix, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de facteurs. Mais on a plutôt une tendance pareille à la hausse sur le prix des métaux. Et investir aujourd'hui dans les métaux, ça peut être le bon plan pour ceux qui ont de l'argent à placer. Alors, et je vais venir justement sur la partie énergétique juste après. Avant, une petite question. D'après vous, combien il y a de grammes d'or dans une tonne de roche?
Alors, Tony pense 1 gramme d'or pour une tonne de pierre. Ouais, je vais mettre ça parce que c'est ça, c'est aujourd'hui dans l'or, on a dans et pour extraire de l'or, il faut pour extraire 1 gramme d'or. Alors c'est 5 grammes si on est chanceux, mais voilà, faut 1 tonne de roche. Et ce qui va derrière poser la question ben, justement de rentabilité. Aujourd'hui, on a donc de moins en moins de mines concentrées. Donc ça, c'est le CNRS qui l'a constaté. Ils ont diffusé un graphe que j'ai pas mis là, j'aurais peut-être dû, mais on voit la concentration des métaux, la dégradation finalement de la qualité des mines. Notamment, ils ont pris quelques mines en Australie et on voit cette concentration. C'est un fait aujourd'hui, elle diminue complètement. Et c'est comme disait William, si je ne me trompe pas, effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut plus d'énergie primaire, mais il faut aussi plus d'eau pour raffiner. C'est-à-dire, c'est que on a besoin d'énergie, pourquoi? On a besoin d'énergie pour extraire, on a des grandes machines, des excavatrices pour extraire, on a besoin d'énergie pour broyer, on a besoin d'énergie pour raffiner. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire séparer de la roche les métaux. Donc, on va utiliser aussi de l'eau. Donc, pour récupérer les métaux purs. Et on parle aussi de réduction. En fait, le terme technique, c'est plutôt réduction. Donc, on va faire de la réduction chimique. Donc, on va utiliser de l'eau avec ben, des acides. Voilà. On va utiliser. La pyrométallurgie, l'hydrométallurgie, pareil, donc là, l'hydrométallurgie, c'est encore beaucoup d'eau. Donc finalement, derrière, ben, toute cette énergie, comme c'est moins en moins concentré, on a besoin de plus en plus d'énergie pour faire toutes ces étapes-là et de plus en plus d'eau. Donc ça coûte de plus en plus cher. Donc comment on fait pour avoir une rentabilité sur les mines? Ben, il faut que les prix augmentent. Donc, ça rejoint exactement ce qui était dit avant dans le chat. Donc, il faut augmenter le prix. Ça explique l'augmentation du prix des métaux parce que les mines de cuivre, notamment Chili, qui est le principal exportateur, sont de moins en moins concentrées. Donc, on a donc un prix qui augmente. Ou il faut améliorer les techniques d'extraction. Alors pour l'amélioration de techniques d'extraction, ce qui quand même, enfin, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui on va peut-être arriver à des limites physiques. On ne peut pas, à un moment donné, on ne peut pas produire assez d'énergie, on n'est pas capable de produire assez d'énergie pour pouvoir. Alors, on a réussi en fait jusque-là à compenser. Grâce aux techniques d'extraction, la quantité d'énergie utilisée pour extraire. Enfin, compenser. On a évité que ça explose, plutôt. Par contre, à un moment donné, on va arriver à des limites thermodynamiques et on pourra avoir les meilleures améliorations techniques possibles. On pourra, à un moment donné, au niveau d'énergie, ça va être tellement de demandeurs d'énergie pour pouvoir séparer qu'on va être incapable de le faire. Des limites physiques. Donc aujourd'hui, voilà, sur les améliorations techniques, ça va être un peu compliqué d'aller très loin. Et derrière, c'est ce que disent ben, Gaël Giraud et Olivier Vidal dans leur étude de 2019 sur le cuivre d'ailleurs. Eux, ils estiment qu'on aura un pic de production en 2060 sur le cuivre tel que ça va aujourd'hui et que toutes les améliorations technologiques qui ont été faites avant, donc entre 2019 et 50 ans avant, et ben, il faudra que on ait ce taux de progression en termes d'amélioration technologique qui soit plus fort de manière annuelle dans les années à venir. Or, on sait bien, enfin, à un moment donné, on ne peut pas continuer à avoir des améliorations dans le monde de l'informatique. On sait bien que la loi de Moore, aujourd'hui, on voit bien qu'on n'a plus cette explosion comme on avait au début.
ça a plutôt arrivé sur un petit palier. Ben là, c'est pareil au niveau des techniques d'extraction des métaux. On a fait tellement de progrès ces dernières années, ces 50 dernières années. Penser qu'on puisse le faire sur les 30 prochaines années, il y a de quoi être dubitatif. Et après, il y a autre chose, c'est que ben, le recyclage, si on arrive, le recyclage va coûter moins cher que la production primaire. Donc, il va y avoir une concurrence entre tout ce qui est métaux qui proviennent, le cuivre qui vient du recyclage et le cuivre qui vient de la production primaire. Et ça va faire baisser le cours du prix du cuivre au bout d'un moment. C'est pour ça que c'est compliqué en termes d'anticiper le prix des métaux. Et ça va être préjudiciable finalement à la production de la production primaire de cuivre, parce que ça ne va plus être rentable d'aller chercher du cuivre dans les mines. Donc on n'arrivera plus à augmenter indéfiniment notre production. Si tu as des questions ou des remarques intéressantes, n'hésite pas, Mathieu. Aucun souci. Alors, je parlais de l'eau, et je vais justement reparler un peu plus de l'énergie primaire et de l'eau. Je reviens sur l'épisode des semi-conducteurs. Alors, on a eu les semi-conducteurs, la pénurie est due à différents facteurs, notamment la crise sanitaire. On est sur des flux tendus, c'est compliqué à fabriquer. Mais pour fabriquer des semi-conducteurs, ça demande beaucoup d'eau pure. Parce que il faut que l'eau elle soit vraiment déminéralisée. Et donc, ça demande beaucoup de traitement derrière en base d'eau. Et avec la sécheresse qui se passe à Taïwan, alors je ne sais pas si elle est terminée, du moins le 17 mai, elle n'était toujours pas terminée. Taïwan, c'est le plus gros producteur de wafers. Et de ce fait-là, ça rajoute une crise à la crise. Ça fait qu'augmenter cette crise des semi-conducteurs, la sécheresse à Taïwan. Tony disait que l'eau, c'est bientôt, c'est l'or de demain. L'eau, c'est l'or de demain. Il y a du stress hydrique, oui. Je n'ai pas mis, mais il y a une carte qui est quand même assez intéressante. Mais je vais venir en parlant du Chili un peu plus tard, mais qui montre tout le stress hydrique aujourd'hui dans le monde, et on voit que ça fait que croître. Il y a des observatoires de l'eau et c'est inquiétant le stress hydrique aujourd'hui. Alors en France, on va plutôt être épargné parce qu'on va continuer à avoir des fortes pluies, notamment dans le nord de la France. Mais dans certaines zones du monde, ça va devenir très critique. Et l'eau est utilisée énormément par l'industrie minière. On a l'énergie primaire qui est utilisée par l'industrie minière, pour les usines de semi-conducteurs, le pompage de l'eau, donc les excavatrices, hein, ces engins-là, c'est assez impressionnant. Et tout ça, on peut dire, on n'a qu'à mettre des éoliennes. Mais les éoliennes, elles ont besoin aussi de métaux. Donc, on va aller chercher des métaux. Donc, on va construire de plus en plus. On va creuser de plus en plus dans la mine, on va extraire des matières premières, on aura toujours besoin d'énergie primaire. On va aller chercher l'énergie primaire à la fois pour l'excavatrice, de toute façon ça ne peut pas marcher l'électricité, donc ça va marcher avec du pétrole, on a besoin de pétrole, on a besoin d'éoliennes pour alimenter les usines pour son pompage, pour les usines semi-conducteurs, des énergies renouvelables, du pétrole, et puis on extrait du métaux. On est vraiment dans un cercle vicieux. C'était en 2014 que Philippe Wicks avait fait ce dessin-là, et il est de plus en plus d'actualité. Mmh. Aujourd'hui, à un moment donné, il faut casser ce cercle, parce que là, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Alors, ce ne sera peut-être pas dans les années à venir, ce sera peut-être pour la jeune génération, pour dans 2 générations, 3 générations, 4. Mais en tout cas, ça ne va pas durer comme ça éternellement. Et en plus de ça,
on a des risques qui sont au niveau de l'environnement qui ne font que croître. Donc, quand on parle d'impact environnemental du numérique, fabrication des équipements, ben voilà, on y est. On y est, c'est au niveau des mines. Au niveau... Alors, il y a aussi la fabrication dans les usines de semi-conducteurs, hein, comme ça demande beaucoup d'eau, ça demande beaucoup aussi d'énergie primaire, il y a là aussi. Mais dans les mines, on a quand même, au niveau des mines, si on s'intéresse à la partie environnementale, il y a de quoi d'être inquiet. Alors, on parle des mines sous-marines, notamment pour aller récupérer des métaux. Il y a quand même plusieurs problématiques. Ben déjà, il faut beaucoup plus d'énergie, on se doute bien, pour aller chercher les nodules métalliques, des gros morceaux sous la mer, à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Voilà, c'est beaucoup plus difficile que sur Terre d'aller chercher, donc ça demande beaucoup plus d'énergie primaire. Et il y a aussi ben, la grosse problématique, c'est qu'est-ce qu'on va faire des écosystèmes marins? On va tout simplement les détruire. On détruit déjà beaucoup la biodiversité terrestre. On détruit via la pollution marine une partie de la biodiversité donc, marine. Et la sous-marine, pour l'instant, qui est à peu près épargnée, à peu près, je dis, ben, on va encore plus la détruire. Et là, on va aller la détruire complètement. Donc, voilà, est-ce que c'est une bonne idée? Si on s'intéresse à l'environnement, je ne suis pas sûr. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est mine sous-marine, on a le Japon, la Corée du Sud, on a des groupes industriels belges et britanniques, on a même la France, ben, avec après la Nouvelle-Calédonie qui veulent y aller. Va voir ce que ça donne. En plus, bah, dans les mines, que ce soit sous-marine ou qu'elles soient terrestres, on a bah, des métaux lourds qui sont là. Et on a un barrage minier. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi cet épisode-là en 2015, c'était au Brésil, Bento Rodrigues. Bon, il y a eu 17 morts quand même suite à la rupture d'un barrage. Donc, notamment, voilà, il y a eu des morts, il y a eu plusieurs blessés. Et derrière, il y a les morts indirectes. Parce que sur des centaines de kilomètres, il y a cette coulée de boue qui était remplie de métaux lourds, de produits toxiques, a tout détruit. Toute vie. Donc, biodiversité, voilà, a été atteinte. Derrière, ben, il y a des hommes et des femmes qui sont devenus très malades ben, parce qu'elles n'ont pas voulu quitter l'endroit où elles vivaient. Et donc, ça s'est tellement répandu derrière en termes de produits toxiques qu'il y a 17 morts qui ont été, voilà, suite à la rupture, et il y a d'autres morts, voilà, qui sont arrivés par la suite. Et la consommation d'eau, le fait qu'on a des mines de moins en moins concentrées, on demande de plus en plus d'eau, ben, on demande de plus en plus d'acide, et donc on augmente les risques de catastrophes, malheureusement. William ajoute que les barrages sont la première source de mortalité au monde depuis 100 ans dans le secteur de l'énergie et des matières premières. Sûrement, j'avoue que ça ne me semblerait pas illogique, mais j'avoue que j'ai pas vu ce chiffre, mais c'est intéressant. Merci William. Au-delà de ça, on a en plus un autre problème. Désolé, il y a beaucoup de problèmes, j'y fais beaucoup de problèmes, mais c'est que notamment sur les semi-conducteurs, encore une fois, cette pénurie, on ne va pas la régler tout de suite. Comme dit le boss d'IBM, bah, ça va encore durer au moins 2 ans. Bah, en fait, on a aussi un problème de robinetterie. C'est que on peut augmenter notre production si on veut faire notre transition énergétique, si notre transition numérique, voilà, comme l'Union européenne aime bien le rappeler souvent. Mais bah, il faut 10 à 20 ans bah, pour commencer à exploiter une mine entre le moment où on la repère et le moment où on va commencer à l'ouvrir.
Faut 3 ans et demi, ça c'est donc le plus grand fabricant à Taïwan de semi-conducteurs qui l'a dit en 2020. Il faut 3 ans et demi pour fabriquer une nouvelle usine de semi-conducteurs. Et ça coûte 10 milliards de dollars. Donc voilà, c'est des investissements qui ne sont pas anodins. Et un chiffre très intéressant, c'est que l'IFPEN, alors l'IFPEN, c'est l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. Ils ont fait une étude pour. Et ils ont. Ben, par rapport aux objectifs transition énergétique, mobilité électrique, transition numérique, ils ont estimé qu'on allait devoir passer de 20 mégatonnes de cuivre en 2019, je pense que c'est ce chiffre-là, en 2020 c'est pareil, à 102 millions de tonnes en 2050. Ça veut dire qu'il faudrait une augmentation, voilà, d'un petit 4% par an d'ici donc 2050, alors qu'on a à peine réussi à faire 2,5% entre 2009 et 2019. L'IFPEN a été posé la question aux producteurs de cuivre au Chili, qui est le plus grand producteur de cuivre. Ils leur ont ri au nez. C'est un témoignage de quelqu'un qui est proche de l'IFPEN qui a dit, ils peuvent peut-être arriver à 2%, parce que là, ils vont avoir du mal à continuer à cette cadence-là, hein, 2,5%, c'est. La concentration fait que ça va stagner, diminuer. Et donc, ils disent, ben, nous, on paraît peut-être 1,5, 2%, allez, 2,5 au mieux, mais pas plus. Donc là, déjà, on a un problème. Voilà. Est-ce qu'on va. Il y a peut-être un problème de réserve, mais il y a surtout un problème derrière de flux. Alors, une petite question. Justement, le Chili, aujourd'hui, il a produit en 2019, non, c'est en 2019, qu'il a produit donc un petit 30%. Alors, ça cesse d'augmenter. Hein. Ils sont passés à 30% en 2020, il me semble. Mais voilà, en 2019, il a produit 5,5 millions de tonnes de cuivre. D'après vous, combien ça fait de litres à la seconde d'eau? Wow, Ah, première je réponse. sais pas. Là, pour Il n'y a l'instant, personne. personne n'a d'idée. Personne n'a d'idée? Alors, j'ai donné la réponse tout de suite. 16 000 litres d'eau à la seconde. Je les ai tirés du ministère des Mines du Chili. Donc, on va dire que c'est plutôt une source sérieuse. Les derniers chiffres que j'avais, c'était en 2012. 2012, donc je suis plus ancien. C'était 2000 litres d'eau à la seconde pour la mine de Chuquicamata. Voilà. Mais c'était une mine en particulier. Hein. Mais voilà, donc là, j'ai juste fait une règle de 3. Hein. Dans ce rapport, il y a le nombre de tonnes, il y a le nombre de litres d'eau consommés. Voilà la réponse. C'est beaucoup. Et c'est pas pour rien que aujourd'hui on a la il y a une nouvelle constitution qui est en train d'être mise en place au Chili. Et ils veulent mettre en place au niveau de cette constitution. Donc c'est une constitution, la constitution actuelle est héritée du régime de Pinochet. Donc les compagnies d'eau sont très privatisées et ils veulent enfin mettre un droit à l'accès à l'eau. Parce qu'il y a d'énormes tensions, que ce soit au niveau agricole, que ce soit au niveau des personnes. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se doucher aujourd'hui tous les jours, enfin, ne pas se laver tous les jours au Chili à cause ben, de ces problèmes d'eau. Et donc, au-delà des aspects environnementaux, des aspects de production, de rentabilité, il y a aussi au niveau des mines ben, des enjeux sociaux et sanitaires. Alors, pour l'eau, voilà, on en a besoin pour l'agriculture. Pour le Chili, il y a un autre problème, c'est que ben, il y a des métaux lourds qui circulent par l'eau, qui circulent par l'air. Et ben, on a une ville qui est proche de mines de cuivre, qui est Antofagasta, et on a un record de cancer là-bas. Il y a un très gros problème sanitaire.
Le problème, c'est que ben, pour l'instant, le gouvernement chinois, pardon, chilien, pardon, ne fait pas grand-chose parce que ben, ça leur rapporte beaucoup d'argent au niveau économie, ça fait tourner toute leur économie. Mais voilà, la population commence vraiment, on le voit à travers la constitution, la nouvelle constitution, et commence vraiment à avoir un ras-le-bol de cette situation-là. Donc, au niveau de l'eau, on a des problèmes d'accès à l'eau potable au Chili et aussi à Taïwan par rapport aussi aux usines de semi-conducteurs. Et à côté de ça, ben, on a les minerais du conflit. Je pense que vous en entendez parler de temps en temps. Tantale, étain, tungstène, les 3T, puisque étain, c'est tin en anglais. Donc, c'est des mines qui permettent d'alimenter des guerres dans l'est de l'armée. À l'est de la République démocratique du Congo. Et on estime toujours en 2020, c'est l'ONU qui l'a redit, il y a toujours 40 000 enfants qui travailleraient dans des mines de cobalt en République démocratique du Congo. C'est des mines qui sont un peu clandestines, qui, pareil, alimentent aussi les conflits. Et puis en France, ben, quand on parle de rouvrir des mines, ben, c'est hors de question parce que ben, nous on veut pas avoir de pollution, toute cette pollution à côté de chez nous. Par contre, bon, ça nous dérange pas qu'il y en ait ailleurs dans le monde. Peut-être que ça va changer. Alors, après, il y a des tensions géopolitiques aussi de ce fait-là. Enfin, par rapport à tout ce que j'ai dit, il y a des tensions géopolitiques. Les États-Unis, ça m'a amusé quand je vois qu'il y a encore eu un énième plan, parce que ce n'est pas le premier plan aujourd'hui aux États-Unis, pour réouvrir et mettre fin, rouvrir des mines et mettre fin à l'accaparement du marché des métaux et de terres rares par la Chine. Parce que la Chine aujourd'hui a le monopole sur les métaux, la production d'aimants permanents, le raffinage des métaux. Ils n'ont pas toutes les mines, mais ils récupèrent énormément tout ce qui est, tous les métaux pour derrière ben, les raffiner ou produire des composants, notamment électroniques. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années, enfin, les années 80, début des années 90, qui a arrêté ces mines de métaux, enfin, de terres rares notamment? C'est l'Ouest, d'ailleurs, l'Occident, c'est les États-Unis et ce sont les pays européens. Donc ce dessin, j'ai trouvé assez rigolo. Bon, c'est fait par un Chinois, mais je trouve qu'il reflète bien aujourd'hui un peu l'hypocrisie occidentale. C'est qu'on demande à la Chine de réduire ses impacts environnementaux. Oui, il faut que la Chine arrête ses centrales à charbon. Mais à côté de ça, ben, la Chine, ben, oui, émet beaucoup de pollution à travers ses mines, mais c'est parce que l'Union européenne et les États-Unis ont ouvert la porte, grande ouverte, pour que la Chine exploite ses mines, parce qu'ils ne voulaient plus, eux, côté Occident, continuer vis-à-vis de l'opinion publique, continuer à avoir des mines qui polluent. Donc, moi, je trouve que c'est un peu hypocrite. Bon, c'était passé années 80, années 90. Maintenant, quand on regarde ce qui se passe au niveau géopolitique, il y a, ben, y a quand même des tensions. Alors, il y a l'indice d'Herfindahl-Hirschman qui permet d'avoir permet de mesurer la concentration du marché. On se rend compte que sur les terres rares, le cobalt et le lithium, aujourd'hui, on est sur des indices très élevés. Ça veut dire que le marché, il est très concentré sur quelques pays. Donc, on a une dépendance très forte vis-à-vis de certains pays. Est-ce que Ça va être tu dû. peux rappeler à quoi correspond cet indice, s'il te plaît? Ça mesure la concentration du marché. Par exemple, le nickel, D'accord. le cuivre, le pétrole. C'est déconcentré dans le sens où il y a beaucoup de pays qui produisent ces matières, ces métaux-là. D'accord. Par contre, les terres rares, le lithium et le cobalt, je prends des exemples,
le lithium, les deux tiers des batteries lithium-ion sont construites, fabriquées par la Chine. Le cobalt, 70% du cobalt mondial est produit par la République démocratique du Congo. Les terres rares, c'est 85% des terres rares sont produites par la Chine. Donc, et pour les aimants permanents, on a un monopole chinois puisque c'est 75% des aimants aujourd'hui sont fabriqués par la Chine. Donc, on a vraiment là des tensions géopolitiques qui peuvent arriver. Alors, il y a toujours les menaces de la Chine vis-à-vis, bah, notamment pendant la crise sanitaire en 2020, on a eu des menaces sur la Chine par rapport. La Chine a menacé Trump d'arrêter de le fournir en terres rares. Enfin, voilà, ça n'a pas duré longtemps derrière parce que c'était suite à ce que à l'affaire par rapport à Huawei, par rapport à la 5G. Ça n'a pas duré longtemps. Une fois qu'ils ont dit ça, les Chinois, on n'a plus trop entendu Trump. Mais voilà, on voit bien que ça pose des soucis pour continuer derrière à augmenter notre production, enfin notre consommation et à favoriser notre transition. Et en plus, on a des enjeux qui sont quand même stratégiques. La conquête spatiale repart aujourd'hui. États-Unis, Europe, Chine, Japon aussi. Les armées du futur, ça va utiliser beaucoup de métaux rares, métaux de plus en plus sophistiqués. La fameuse croissance verte, je n'ai pas mis croissance verte, mais on va dire la croissance économique a besoin des métaux aujourd'hui. Transition énergétique, transition numérique, j'en ai déjà parlé. Et puis, pourquoi aujourd'hui, ce que je disais juste avant par rapport à la France, pourquoi on ne veut pas rouvrir des mines chez nous? On veut être. Les gouvernements veulent être exemplaires d'un point de vue environnemental parce que la jeunesse pousse de plus en plus fort sur ce côté-là et c'est bien. Et donc les gouvernements, ils ne veulent pas trop froisser cette jeunesse. Donc ils préfèrent toujours laisser et cacher cette pollution-là et pas la ramener de nouveau sur leur territoire. Donc il y a vraiment une grosse réticence pour rouvrir des mines aujourd'hui. On voit bien ce qui se passe avec la montagne d'or en Guyane. Voilà, donc j'ose même pas imaginer si on disait qu'on allait ouvrir une grande mine en France, alors qu'on a des gisements, hein. On a des gisements de terres rares. Notre sol, notamment en Auvergne, est très riche en métaux, mais on veut pas exploiter parce qu'on sait qu'on risque d'avoir. Enfin, le gouvernement ne veut pas exploiter à cause des levées de bouclier. Pourtant, derrière, ça, on aurait sûrement des impacts environnementaux et sociaux qui seraient plus bas, plus faibles que ceux qui sont aujourd'hui dans les autres pays qui exploitent les mines. Mais le coût serait plus cher, parce qu'on a des normes plus strictes, et donc on serait moins compétitif, et donc ça demanderait quand même un soutien économique et politique global. Donc c'est vraiment une équation qui est difficile à résoudre aujourd'hui dans la tête des décideurs politiques. Alors, quand on sait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Je vais quand même terminer sur une note positive. J'ai peut-être été un peu long sur la présentation. Ah non, tout va bien. Voilà, c'est la fin, mais je termine sur une note positive. Il y a une petite note positive au début, pour dire le numérique, c'est important, critique. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour finalement agir à court terme pour réduire les impacts environnementaux et à moyen long terme pour préserver le numérique, préserver ces métaux-là? Il faut s'attaquer en fait à la source du problème, c'est éviter d'augmenter notre besoin en métaux, du moins de trop augmenter, de ralentir un peu cette croissance en besoin de métaux. Donc, il faut faire durer nos équipements, en avoir moins et les faire durer.
Alors, en avoir marre, ben, c'est mutualiser les équipements, notamment mutualiser les antennes relais entre les opérateurs télécoms. Alors, ça va peut-être arriver à travers la loi. Bon, aujourd'hui, les discussions au niveau de l'Assemblée nationale, enfin, au niveau des commissions de l'Assemblée nationale, sont pas très positives là-dessus. Le Sénat pousse pour qu'on oblige les opérateurs télécoms à mutualiser. L'Assemblée nationale préfère laisser cette liberté de compétitivité et cette compétitivité entre les opérateurs. Bon, voilà. Après, au niveau territoire, il y a des choses qui sont faites. Il y a des contrats qui sont, des engagements qui sont signés par les opérateurs pour les obliger au moins à être deux sur une antenne relais, par exemple. Après, ça attaque aux antennes relais, c'est pas le plus gros. Et au niveau particulier, ben, peut-être se partager, peut-être qu'au niveau des immeubles, se partager une box, mettre des bornes Wi-Fi, mettre en place des VLAN, enfin. Voilà, comme dans les entreprises, mais après, voilà, le problème avec ça, c'est toujours pareil, c'est que les opérateurs n'ont pas forcément être d'accord pour bah, la partie concurrentielle. Ça casse un peu leur business. Pour faire durer, il y a logiciel libre, il y a l'ouverture des interfaces d'objets connectés qui seraient plus maintenues. Voilà, il y a rien de pire que d'avoir un objet connecté qui soit plus mis à jour, qui soit plus maintenu et qui finalement devienne inutilisable pour des raisons logicielles, alors qu'au niveau matériel, aujourd'hui, ça peut durer. Les composants électroniques sont faits pour durer des dizaines d'années, donc enfin, au moins 10 ans. Donc c'est un peu dommage pour des raisons logicielles que ça ne marche plus. Après, il y a le droit à la réparation. Alors l'Union européenne s'est vraiment penchée là-dessus. Il y a une résolution en novembre. Alors, les 27 sont plutôt OK avec ça. Donc, ça peut avancer. Donc, mais il faudrait que ce soit ambitieux. Il ne faudrait pas que ce soit juste une incitation à faire en sorte que les fabricants puissent se mettre un droit à la réparation. Non, il faudrait vraiment que ce soit imposé et que ce soit de manière ambitieuse. Et là, il y a trois éléments qui sont intéressants. C'est la consigne, le passeport numérique et le contrôle technique. Alors j'explique, la consigne, c'est avoir une consigne. Donc c'est forcer un petit peu la collecte des appareils numériques. Le passeport numérique, c'est un peu comme la carte grise d'un appareil. C'est pour mieux tracer les appareils numériques, savoir ce qu'il est devenu. Et le contrôle technique, c'est avant qu'il soit reconditionné, enfin au moment où il est reconditionné, qu'il passe une liste de contrôle suivant les types d'appareils. Pour que derrière, ben, l'acheteur qui achète du reconditionné, ben, il soit confiant sur la qualité. Il y a l'image que dit Frédéric Bordage, hein, qui est le fondateur de Granite FR, que je trouve pas mal. C'est aujourd'hui, ça ne pose aucun problème de prendre une voiture d'occasion qui a passé le contrôle technique, qui a 10 ans et de rouler à 130 sur l'autoroute. Par contre, acheter un smartphone reconditionné, on se pose des questions. Parce qu'on ne sait pas si c'est qualitatif. Donc là, le but, c'est vraiment de mettre en place un système vraiment basé sur la confiance, le contrôle, la qualité des appareils pour pouvoir qui durent. Donc là, ça demande de l'intervention des pouvoirs publics. Le passeport numérique, l'Allemagne aujourd'hui, l'a vraiment pris en main. Ils l'ont mis dans leur feuille de route numérique de 2020. Donc l'Allemagne vraiment s'intéresse beaucoup à ce sujet-là. Après, il y a l'allongement de la durée des garanties légales de conformité. Alors, par exemple, on pourrait prendre exemple sur les Pays-Bas où aujourd'hui la durée de garantie légale, elle n'est pas fixe, elle n'est pas à 2 ans comme en France. Elle dépend du type de produit, de son prix d'achat, de sa durée de vie moyenne. On pourrait peut-être s'inspirer de ce qui se passe aux Pays-Bas. Et au Royaume-Uni, c'est la même chose. Alors, l'éco-conciliation de services numériques et produits, j'en parlais rapidement parce que là, il faudrait vraiment une présentation complète pour parler de ça. C'est juste, voilà, ce que j'ai mis, faire aussi bien, voire mieux avec ce que l'on a ou moins. Donc, c'est regarder ce qu'on a, vous aurez sur la main, et concevoir des services avec ce qu'on a. Et les produits, alors, l'éco-conception de produits, c'est faire avec les matériaux qu'on a. À disposition. Voilà,
Mais c'est sans dégrader les produits et les services. Mais par rapport à l'utilisation qu'on en fait, c'est voilà, utiliser beaucoup moins de ressources. Et derrière, ça permet de redonner du sens et de l'ingénierie, enfin, du sens à ce qu'on fait. Alors nous, enfin, pour les personnes qui sont ingénieurs en informatique, ça, l'éco-conception, ça permet aussi de remettre l'ingéniosité au cœur de notre métier. Voilà, je fais un peu de teasing, mais c'est un peu, enfin, l'éco-conception, c'est intéressant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on arrive à rallonger via le passeport numérique, les consignes, le droit à la réparation, les produits, bon, en fait, ça ne sert à rien si jamais on ne peut pas accéder avec un vieux terminal, un vieux smartphone, un vieil ordinateur, si on ne peut pas accéder au service, ben, ça ne sert à rien ce qu'on a fait, puisque ça devient inutilisable. Et l'éco-conception, justement, permet d'avoir cette philosophie-là, cette démarche pour se dire, ben, on va faire en sorte que le service marche sur des anciens équipements. Comme ça, si ces anciens équipements sont reconditionnés, ils ont une nouvelle vie, ben, ils pourront toujours utiliser nos services. C'est vraiment ça l'idée principale. Et enfin, c'est remettre aussi un peu de bon sens dans ce qu'on fait de nos ressources. C'est quand même incroyable qu'on ait des panneaux publicitaires numériques qui affichent la même chose à même pas un mètre d'écart dans le métro parisien, par exemple. Dans les gares, ça, enfin, faut arrêter. Allez, à la limite, qu'on en mette un, mais qu'on n'en mette pas un tous les... Là, c'est tous les 50 cm. Ça devient ridicule. Pour ajouter à Et j'ai ça, une dernière... William réagissait aussi sur le fait que, au niveau du bon sens, par exemple, c'est ne plus utiliser la 4G, la 5G quand on est à la maison et plutôt préférer le Wi-Fi. Alors ça va jouer sur la partie réseau, effectivement. C'est qu'aujourd'hui, alors une fois qu'on a installé, fabriqué le réseau, ben, les impacts sont là, on a utilisé les métaux, on a fabriqué, enfin, tout ça. Par contre, le réseau fixe est beaucoup plus résilient que le réseau mobile. Il demande beaucoup moins d'énergie aussi. Et l'avantage... Enfin, l'intérêt d'utiliser le réseau fixe, c'est de repousser la saturation du réseau mobile. Demain, si tout le monde se met à regarder des vidéos 4K sur son téléphone en 4G, ben, on va être obligé de mettre en place de nouvelles infrastructures. C'est un peu ce qui se passe avec la 5G, finalement. Quand on discute avec les collectivités territoriales, elles nous disent que le principal argument de la 5G dans les villes denses, pourquoi ça arrive dans les villes denses en premier, c'est parce qu'aujourd'hui, le réseau 4G arrive à bout de souffle. Ce n'est pas pour les nouveaux services, ce n'est pas pour la voiture connectée, voiture autonome, on pourra en parler à la voiture autonome aussi s'il faut, mais c'est pour faire face à ça. Donc pourquoi on est dans cette situation-là? C'est parce qu'on utilise effectivement de plus en plus le réseau mobile pour aller sur utiliser des services, alors que on pourrait certains services, typiquement partager des photos à ses proches, on pourrait peut-être attendre de rentrer chez soi. On n'a pas besoin d'être dans cette instantanéité. Voilà. Voilà, autant attendre rentrer chez soi. Et Ronan réagissait aussi sur la mutualisation. Il disait que les opérateurs utilisent déjà la mutualisation pour les zones peu peuplées ou pour les dernières zones blanches. Yes, c'est vrai. C'est vrai. Et ce n'est pas le cas dans les zones denses. Oui, Alors, oui. au niveau de la métropole illoise, je suis en contact avec eux. Ils font une charte. Et ils disent aux opérateurs, si vous voulez avoir, ils doivent payer les opérateurs une redevance pour tout ce qui est espace public, pour mettre des antennes. Ils disent, si vous voulez aller là, ben, si vous y allez tout seul, vous allez payer plus cher que si vous vous mettez à plusieurs. Voilà, ils font comme ça. C'est des solutions. Après, voilà, ils agissent comme ils peuvent et je trouve que ça va plutôt dans le bon sens.
Mais effectivement, la mutualisation dans les zones blanches, ça se fait plus facilement parce que, ben, il y a un problème de rentabilité, là, tout simplement. C'est l'aspect économique, hein, qui dirige, c'est pas l'aspect environnemental. Mais les deux se rejoignent souvent. J'ai une petite dernière question plus large. Est-ce que, il y a peut-être une autre solution miracle dont on n'a pas parlé pour résoudre tous ces problèmes environnementaux, sociaux, sanitaires, pour qu'on récupère plein de métaux sans polluer? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Alors, c'est du second degré, hein, je vous dis tout de suite. Ne rien acheter, c'est pas mal déjà. Tu as dit au début, c'est la meilleure chose à faire. Il n'y a rien à acheter. Ouais, alors, si on veut quand même continuer la transition énergétique, transition numérique. Alors, si on veut continuer la transition énergétique, je vais vraiment essayer, parce que je suis connu pour saouler tout le monde, et sur le sujet, je suis intarissable, donc j'essaie de me rendre limité. Sur la transition énergétique, ça fait partie des choses, et la transition en elle-même, au sens énergie, parce qu'on parlait des crises pétrolières tout à l'heure, elle est assurable, on a tous les matériaux qu'on veut pour l'instant. Par contre, ce qui est dangereux, c'est nos excès, notre mode de vie multiplié par le nombre de personnes sur Terre. Donc, par exemple, si tu veux une solution vraiment débile, être moins nombreux. Mais ça, j'aime pas trop. C'est la solution qui consiste en un gros coup de bazooka pour tuer les mouches, quoi. Donc, voilà. Après, les politiques de natalité, ça a du sens, quoi. Mais c'est violent. Ça veut dire aussi qu'il faut accepter tout simplement de plus faire la concurrence. Et ça, à échelle globale, à échelle entrepreneuriale, à échelle étatique, c'est très mal barré. Mais si tu commences par ça, tu sauves déjà pas mal la planète, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'en pense après. Moi, je parlais d'une solution dont on entend parler, notamment de la part d'une petite partie de, on va dire, d'essayistes. Une solution, non, ça ne vous vient pas. C'est quoi ta question? Je pense que tu ne l'as pas écrite, celle-là, par rapport aux autres. Tu as juste dit solution miracle, mais tu n'as pas mis à quoi, je les appelle le début. Ouais, non, c'est juste pour vous, ça serait quoi pour vous la solution miracle dont on entend alors, encore parler? Tony propose la décroissance, Damien retour bâton caillou, c'est plus léger, et Jérémia l'espace, voilà. Le mythe du on va miner dans l'espace et tout ira bien. Voilà, j'attendais, voilà, merci. Et si on allait chercher du côté des astéroïdes tous ces métaux? Alors moi, ça me fait sourire parce que quand il y en a, ils sont sérieux quand ils en parlent de ça. Mais je vous donne juste deux petites anecdotes. C'est que il y a eu la mission Hayabusa 2 en décembre 2020, donc c'est quand même très récent. Ça a été une grande prouesse technique. Ils sont posés sur un astéroïde et ils ont récupéré 5,4 grammes de matière. Ça leur a coûté 126 millions d'euros. Il y a eu la sonde, deuxième exemple, il y a eu la sonde Osiris-Rex qui le 20 octobre 2020, donc là c'est une sonde de la NASA, donc là c'est côté États-Unis, ils ont fait un touch and go sur un astéroïde, pareil, ils sont posés 6 secondes, ils ont collecté la poussière, et la sonde elle va revenir en 2023, ça a coûté presque $1 milliard. Voilà, donc quand on sort ce genre de solution, ben, on n'y est pas encore, hein. Mais alors très loin, quoi. Ouais, voilà. En effet. Voilà, c'était le dernier petit slide. Je vais arrêter le partage comme ça. Alors, comment je fais pour arrêter le partage? Ah, mais j'ai plus rien. Alors, on a toujours le partage pour toi. Ouais. Je peux arrêter le partage pour toi si tu veux. Ouais, vas-y, parce que là, je ne sais pas ce qui fait Zoom. Merci. Maintenant, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, ouais, il est peut-être un peu tard. Désolé, c'était bien long comme présentation. Non, mais enfin, comment avez-vous trouvé les autres? Parce que, bon, moi, évidemment, je suis bon public et puis je suis déjà conquis par le sujet. Donc. Bon, bah, bien déprimant. Hein. Ah, j'ai s'éternuer par le positif. Ça prend toujours 2 heures, de toute façon. Ouais, c'est normal. Et la deuxième fois que tu prends ta presse, elle va diviser par deux. C'est un truc qui m'arrive beaucoup. Et à chaque fois, tu raccourcis de 20%. À chaque fois que tu refais ta presse, à la fin, tu la fais en 50% du temps initial, quoi.
C'est un classique. On a plusieurs réactions, du intéressant, inquiétant, intéressant mais pas joyeux. Merci pour la présentation, Thomas. Intéressant mais un peu pessimiste à mon goût. Oui, mais oui, merci. Évidemment, c'est un sujet, c'est un peu compliqué de trouver que du positif. Non, évidemment, faut regarder la réalité en face. Et encore, Thomas, il est calme, il est doux quand il parle. Jean Covici, il ne va pas forcément vous faire le même effet. Évidemment. Si je peux juste faire un aparté, je pense que c'est important vraiment. Je ne sais pas ce que tu en penseras, Thomas, mais je parle de Jean Covici à chaque fois parce que je considère toujours que c'est une référence pour ce qui est énergétique, même si lui, il est plus sur l'énergie que sur les matériaux, mais il en parle aussi. Il me semble, surtout qu'on doit voter encore dans les mois et les années qui viennent, qu'il est vraiment, mais vraiment, j'insiste, primordial de se farcir les 20 heures de cours qu'il a donné à l'école des mines Paritech, qui sont gratuites en ligne sur YouTube. C'est pas chiant, c'est pas compliqué, c'est pour des ingénieurs, c'est quand même vulgarisé. Il y a 20 heures de cours réparties en 8 fois 2h30. Faut de temps en temps s'en faire une, faut les regarder toutes une fois dans l'ordre. Moi, j'en suis à 3 fois parce qu'il y a tellement d'informations, il va tellement vite que ça prend du temps. Je pense que sincèrement, une fois qu'on a compris ça, on appréhende plein de choses et il me semble que c'est une très bonne introduction pour après des conférences d'un niveau, je pense, très légèrement au-dessus, comme la tienne, par exemple, sur les matériaux, qui intervient, je pense, après celle du pétrole et de l'approvisionnement énergétique et du transport. Dit autrement, si on n'a plus de pétrole, on n'aura plus le souci des matériaux qu'on ne peut pas aller chercher. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est. La plupart des gens pensent, par exemple, en France, que l'énergie, c'est le nucléaire et qu'en fait, l'énergie, c'est électrique. Ils ne savent pas que le nucléaire représente même pas 14% de l'énergie en France. Et qu'en fait, tout le reste, c'est essentiellement du pétrole, du charbon, du bois et du gaz. Et qu'après ça, derrière, vient le nucléaire. Et en tout petit, il y a quasiment 1 à 4% qui représentent les ENR. Ça, c'est très, très dur à admettre. Et que toute l'économie mondiale dont tu as parlé avec les matériaux que tu allais chercher de l'autre côté de la planète, parce qu'évidemment, ils sont disséminés. Comme tu l'as dit, les terres sont rares. C'est parce qu'elles sont partout sur la planète et pas là où on veut. Et qu'on va avoir un vrai problème en tout premier qui va être ça. Et dit autrement, pour s'en sortir, aujourd'hui, il faudrait qu'on ait un nouveau Covid tous les ans en plus, sans la maladie, si possible. Donc ça fait vraiment, pas flipper, mais ça fait vraiment remettre en question là où on va. Et j'arrête, parce qu'après, je vais saouler tout le monde. Ah oui, tu as raison. Moi, je n'ai pas regardé les cours de Jean Covici. Après, j'ai mon beau-frère qui travaille, qui donne des cours aux mines de Paris. On va dire en parallèle de lui, plus sur la partie énergie renouvelable. J'ai aussi il est on va dire spécialisé énergie renouvelable, mais il n'est pas on va dire qu'il est pour le compromis, pour le bon juste milieu sur la partie production électrique alliée énergie renouvelable et nucléaire. Juste une petite aparté, parce qu'il y a des spécialistes d'énergie renouvelable qui sont anti-nucléaires et des anti-nucléaires qui sont anti-énergie renouvelable. Voilà, pour moi, ça reste des minorités. Et justement, il a ce même discours sur aujourd'hui, la transition doit passer par une transition de la mobilité aussi, la rénovation des bâtiments, et c'est des points importants. Voilà, ça ne résout pas le problème des métaux, mais comme tu dis, tant qu'on continuera à surconsommer, on résoudra pas le problème, malheureusement. Il n'y a pas de solution magique, la croissance verte, moi je suis intimement convaincu que c'est de la poudre aux yeux, après, pour l'instant on n'a pas réussi à prouver le contraire, je montre que ça, mais... C'est un paradoxe sémantique absolu. Tout ce qui est croissant n'est pas vert, tout ce qui est vert n'est pas croissant. Absolument. C'est d'une évidence totale. Et le greenwashing est encore, tu n'en as pas beaucoup parlé, mais il est encore beaucoup à l'œuvre. Annabelle, tu sais de quoi je parle, on en a parlé l'autre jour. Et c'est un vrai sujet qui... S'il y a encore besoin d'une prise de conscience, mais franchement, ça vient pas mal. Je pense d'abord parce que des gens comme toi font des conférences et il faut du temps, il faut se motiver, c'est long. Tu as dit que tu as fait beaucoup de recherches et c'est vrai que c'est très long. Parce que faire des recherches. Pas terminé. Voilà. Pardon, ouais, je t'ai coupé, j'avais pas l'impression, désolé. Vas-y, je t'ai coupé. My bad.
Non, 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 pas du tout, pas du tout. Non, non, j'ai pas terminé à faire mes recherches, c'est ça que je voulais dire. Ah, pardon, pardon, excuse-moi, d'accord. Putain, je me fais peur, je me suis senti mal, je me dis, merde, je l'ai coupé la parole, j'avais pas l'impression. Non, c'est jamais fini de toute façon, et c'est très compliqué. Ça prend des années de faire des recherches dessus, et quand on est sur une échelle que celle de la planète, les quantités manipulées, et les infos des pays et tout sont très, très compliquées à voir. Tout le monde se regarde en chien de faïence en disant qui va lâcher en premier l'info et tout. C'est très, très difficile. Il y a beaucoup de choses à savoir. La première, je pense, que tu as déjà bien, bien esquissé dans ta conférence-là, c'est qu'en fait, la décroissance dont on a parlé, ce n'est pas une conséquence, c'est une structure et on est déjà dedans. On est déjà en décroissance depuis plus de 15 ans. L'approvisionnement en Europe en pétrole est en train de diminuer depuis 2007 à 2010, selon dont on parle. On vous dit que 2007, c'est la crise des subprimes qui est arrivée en Europe. Ce n'est pas que ça. 2011, une nouvelle crise économique. Et ça descend, ça descend, ça descend, ça chute. Après, l'immobilier a chuté au début progressivement. Tout a chuté progressivement. Et on ne s'en rend pas bien compte. Et on va devoir apprendre, en fait, soit à manger dans la tête directement ce qui nous arrive, soit à le planifier. Donc, ça peut bien se passer si on accepte la planification. Et la planification, si vous avez vécu comme tout le monde, tu sais, marrant, tu fais ta conférence le lendemain où on réouvre les bars et un certain nombre de commerces, etc. Si vous avez vécu ce un an et demi de Covid, mis à part évidemment l'isolement chez nous, etc., qui est propre au fait qu'il y ait une pandémie mondiale de santé, qui n'est pas une décroissance énergétique, mais il faut l'équivalent de ce qu'on a économisé là, tous les ans en plus, pour arriver à s'en sortir et à tenir les 2 degrés de Copenhague. Donc, rien que ça, ça fait du boulot pour l'énergie et pour la température et le réchauffement climatique. Pour les matériaux qui sont derrière, ça veut dire tout simplement qu'il faut arrêter d'acheter. C'est ce que tu as très bien dit, hein. C'est le truc le plus évident à comprendre. Moi, j'ai une bagnole qui a 18 ans au diesel, je culpabilisais au début. Maintenant, j'ai compris la différence avec acheter n'importe quelle nouvelle bagnole, fût-elle 100% électrique. C'est bluffant, quoi. Voilà. Et il y a plein de choses qui sont à débunker parce qu'il y a encore les industriels derrière. Il faut comprendre qu'en France, à 25 000 bornes, tu es rentable avec une bagnole électrique. Au-dessus, tu pollues plus. En dessous, tu pollues moins. En Allemagne, ce n'est pas pareil. En Afrique du Sud, c'est x10, x100. Il faut 600 000 bornes pour que ça soit rentable, une bagnole électrique chez eux. Le nucléaire, c'est la seule énergie qu'on ait aujourd'hui qui marche bien. On n'a pas mieux, malheureusement. Ce n'est pas top, ça ne fait pas rêver, mais c'est tout ce qu'on sait faire, la fission nucléaire. La fusion, on est en train de débuter. L'hydroélectrique, on est saturé. On a parlé tout à l'heure des barrages, effectivement, ça tue beaucoup plus que le reste. Même si les gens ils pensent toujours Tchernobyl et Fukushima, ils ne savent pas que Fukushima, ça fait zéro mort depuis, et personne ne le sait. Alors que c'est marqué partout, que c'est sous son nez, qu'il y a juste à googler le truc 2 minutes. Il y a plein de trucs à savoir. Et sur les métaux, parce que j'essaie de revenir toujours sur ta conférence qui était déjà vachement focalisée sur les métaux, parce que c'est rien que ça, mais il n'y a pas que les métaux, il y a plein d'autres choses encore dans les matériaux. Et l'extraction aussi derrière. Et puis il y a un autre truc qui est important à dire, je pense que c'est la récursivité des métaux. Pour revenir sur ta conférence, c'est que pour extraire les métaux, il faut des métaux. Pour fabriquer de quoi extraire les métaux, il faut encore des métaux. Pour faire des centrales, pour juste vivre sans les métaux, il faut quand même avoir récupéré les métaux. Et même pour les métaux qui ne sont pas rares, comme le fer, par exemple, dont on a des quantités phénoménales sur la planète, l'aluminium, il y en a aussi pas mal aussi, ça en est peinard jusqu'à la fin de nos temps. Même pour ça, ça demande quand même de bouger, d'avoir du métal sous la main, de travailler, d'avoir des laminoirs, des usines énormes, et ça demande vraiment un boulot de dingue. Donc ouais... C'est très dur de faire une conclusion rose. Ça veut juste dire qu'il faut se retrousser les manches et se mettre au boulot. Et que le boulot, on en a. Et pour ce qui est, nous, du numérique, il y a les appareils aussi. Tu l'as dit, il y a un peu les logiciels et les usages aussi. C'est-à-dire qu'il faut arrêter la hype sur le numérique. Il faut arrêter de vendre des logiciels à tout vent en disant on est meilleur que les autres, même dans l'open source. Ça se fait beaucoup aujourd'hui. Les gens pensent que l'open source est vraiment gratuit. Non, il y a des boîtes qui payent des trucs derrière pour sponsoriser leur projet. Donc, c'est très difficile. Donc, on a tous et tous une responsabilité là-dedans, et elle est polymorphe, elle est plurielle, et elle est très dure à voir. Et je vais vraiment essayer de finir, parce que je vais encore saouler tout le monde, je suis désolé. Je suis très fort pour ça. Et pour finir, en fait, la seule vraie chose qu'on a à faire aujourd'hui, c'est toutes et tous indépendamment devenir conscient de ça et agir, et là où c'est très difficile, au sein même de nos structures, là où on n'a aucun pouvoir, là où clairement on dit « je ne veux pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il faut le faire différemment », tu as un manager qui dit « tu n'es pas d'accord, dégage ». Voilà. Ça, c'est très, très dur et il faut faire changer d'avis la population pour faire changer d'avis, par exemple, les personnalités politiques élues qui, en démocratie, ne sont élues que là-dessus en disant « je vais prendre le meilleur des mondes et ce que les gens veulent ». Donc, c'est très, très dur la prise de conscience. Bah, j'arrête. Et merci à toi surtout, hein, je le redis. Mais, Merci à toi, William. Après, côté Grenadier Affaires, on essaie de faire bouger les choses à notre niveau. On arrive à avoir des contacts auprès des députés, auprès des cabinets ministériels.
Bon, je ne peux pas tout vous dire ce qui se dit en privé, mais on voit quand même que la prise de conscience, elle est encore compliquée. La prise de conscience d'action, il faut agir maintenant, elle est encore compliquée. Après, je parle des députés de tous bords, hein, pas d'uniquement la majorité. Bon, cabinet ministériel, c'est le gouvernement, mais. Et voilà, mais le gouvernement d'avant, c'était pareil. C'est compliqué aujourd'hui de leur expliquer qu'il faut agir. Alors, au niveau de l'Union européenne, on sent quand même que ça bouge un peu plus parce que ben, la diversité au niveau des pensées au niveau de l'Union européenne fait qu'il y a certains pays, il y a certains députés européens qui vont se rassembler, qui poussent plus que d'autres. Et la France, qui avait de l'avance sur la sobriété numérique, est en train de la perdre par rapport à l'Union européenne. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? J'en sais rien. C'est une mauvaise nouvelle parce que la France pouvait se mettre en valeur là-dessus. Elle va louper le coche, comme elle a loupé le coche sur tout ce qui est reconditionné, puisque la France est en avance sur tout ce qui était reconditionné sur le numérique. Ils se sont fait... comme derrière, bah, on a été incapable de structurer comme il faut, de plutôt aller sur l'incitation et pas de cadrer la filière, bah, l'Allemagne et le Danemark ont pris le lead. Voilà. Allemagne, Danemark et Pays-Bas aussi. Bon, c'est tout, c'est des emplois. Après, c'est de l'économie, c'est des emplois qui ont été perdus en France. Voilà, on essaie de faire bouger. Là, c'est sur les points. J'essaie de terminer quand même sur notre positive, hein, sur les moyens d'action. Je vois, il y a quand même des remarques. Ah, c'est pessimiste, c'est négatif. Voilà, il faut rester. C'est positif. Je suis d'accord, il faut rester positif quand même. Il y a moyen d'agir. Ouais. Je ne sais pas s'il y a d'autres, s'il est tard, s'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions, il y a des interrogations, s'ils veulent que je leur remonte le moral quand même un petit peu, je vais essayer de trouver les mots. Je peux essayer. Je suis pas encore vacciné, alors je pourrais pas faire de câlin à tout le monde. Pourtant, tu sais que ça nous fait envie. Je sais bien. Tu nous manques. La prochaine bière, tu vas voir. Il y a un truc que je n'ai pas le temps, Thomas. Je sais pas ce que tu en penses. J'étais en train d'enquêter sur le nombre d'explosions de requêtes HTTP par page qui sont générées pour nous qui sommes dans le numérique et pas sur les matériaux, mais sur l'utilisation dans le logiciel. J'ai regardé sur deux ou trois sources qui sont un peu sérieuses, qui comptent en fait ce genre de trucs-là. Et depuis milieu 2018, il y a une baisse pour la première fois depuis 15 ans du nombre de requêtes HTTP générées par page. Et ce n'est clairement pas dû au multiplexing HTTP2 ou quoi que ce soit. Et clairement, si on regarde, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en mai 2018, en milieu 2018? C'est la mise effective de toute la GDPR et des demandes pour le reste, tu sais, en gros, pour dire si vous voulez qu'on fasse appel, etc. J'avais fait une conférence à l'époque sur Google AMP en montrant sur certains sites ce que ça donnait. J'avais pris les journaux Libération, Le Figaro et Le Monde. On arrivait à une infinité de requêtes HTTP qui étaient faites avec des utilisations tiers. Sur Libération, on arrivait à presque 5000 requêtes HTTP pour une pauvre page d'article qui était ouverte avec rien d'autre, sans scroller. Et tout ça. Et ce truc-là, qui était censé être responsable pour la vie privée, je pense sincèrement à un impact écologique fort, en tout cas à notre niveau à nous. Et je me demande si on n'est pas capable quand même de trouver des solutions comme ça de temps en temps qui sont vachement positives, en fait, pour finir sur un truc plus positif que ça. Je pense qu'on a les moyens encore, on va les trouver au fur et à mesure, ça va prendre du temps. On n'a pas la solution à tout aujourd'hui, mais on est en train de la chercher quand même malgré tout, je pense. Il y a des acteurs, hein, qui veulent un peu bouleverser le marché. Bon, il y a Fairphone que j'ai cité.
Effectivement, ils font des petits rapports aussi sur les métaux. Donc, ils ont leur équipe de côté ouest qui est en France. C'est une boîte qui est plutôt néerlandaise. Mais ils s'associent beaucoup à des acteurs, des opérateurs coopératifs. On a Télécoop, si vous connaissez en France, qui est un opérateur coopératif qui essaie de d'être un, on va dire, d'être moins dans le marketing, d'être beaucoup plus dans la coopération, faire participer leurs clients dans les décisions, est-ce qu'ils vont faire un forfait 5G ou pas, enfin voilà, ce genre de choses. Et il y a Common qui est sur la location d'équipements numériques. Voilà, c'est tous des opérateurs des acteurs, c'est des petits acteurs qui mettent leur petite graine pour essayer de faire changer, de montrer qu'il y a des modes alternatifs pour consommer, entre guillemets, enfin, de manière globale, le numérique. Voilà, il y a ce genre d'initiative qui est encouragée, qui est positive. Et après, effectivement, nous, dans notre quotidien, on peut faire des choses. Et là, on pourra parler d'éco-conception un autre jour, si vous voulez, réinviter. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Vincent, tu as mis ta webcam. Est-ce que tu veux nous dire un mot? Non, mais c'était juste pour faire participer. Comme vous l'avez mis aussi, je voulais participer visuellement, mais pas forcément oralement. Enfin, pas pour l'instant, pas sur Juste le l'éco-construction. mec est beau, voilà, non, c'est. C'est ça. Non, c'est pas ça. Ok. Dans ce cas, je pense qu'on peut peut-être conclure cette soirée. Sachant que oui, déjà on a un petit peu empiété par rapport à ton horaire. J'espère que ça te causera pas de soucis. Merci à tout le monde d'être venu, d'avoir assisté à ce meet-up. Sujet super intéressant. Et donc merci énormément à toi Thomas pour ce sujet et ton intervention. C'était vraiment très intéressant. Maintenant, il va me falloir un petit peu de temps pour convertir la vidéo et la diffuser sur YouTube. Et puis voilà, on se retrouve en juin pour un autre event pour la FUF Limoges. Ouais, j'ai hâte, Mathieu, parce que j'ai pas vu le début. D'accord, ça marche. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou remarques. Vous Je pouvez, prendrai pas les soins comme tout. je ferai le lien si vous voulez, si vous avez besoin. L'agrégateur. C'est ça. Pour économiser la bande passante de Thomas. C'est ça. Pour compresser les questions de William. Ah. Bonne chance. Non, t'as pas le droit d'allumer le micro. Ton micro, il est coupé. Vous avez coupé le micro, William? Non, 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 je C'est sais même non, 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 j'ai rien fait, j'ai rien fait. C'est pas que ça le démange. Non, non, t'es dur, j'ai même pas Non. fait long ce soir. Juste 10 minutes. C'est vrai. Non, c'est intéressant. Merci, c'est toujours intéressant tes interventions. C'est pas le sujet. La dernière fois, j'ai fini avec le bœuf de Julien à 1h30 du matin, donc on peut faire plus court. Hein. C'était intéressant. Vous voyez comment on a été éco-conçu parce qu'en fait, on a allumé les vidéos juste pour se voir à la fin. Pendant Voilà. toute la période, on ne les a pas forcément mises. C'est vrai. Un exemple. Et en basse qualité. Oui. Ça marche. Bon, eh bien, bonne soirée à tous. Encore merci à tous d'être passés et merci à toi, Thomas, pour ce sujet. Avec plaisir, merci à vous. C'est à toi. Merci Thomas. Bonne Salut. soirée.